C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. On s'aime des paroles et des paroles et des paroles, les amis. Pour ceux qui peuvent les recevoir, évidemment, hein, on prêche, on prêche, on prêche, on prêche. Amen. Des fois, on au vent, c'est vrai. Mais euh, on va pas faire comme Dalida. Hein, les mots doivent pas se poser sur nos bouches. Elles doivent se poser vraiment dans nos cœurs. La parole de Dieu, l'évangile. Amen. Euh, je ne sais pas pourquoi j'avais envie d'écouter cette musique ce soir. Et ben, Écoutons-la Écoutons-la <laughs> Je l'ai chanté aussi, mais franchement, si on a le temps à la fin, si on a le temps à la fin, c'est une barre de rire. C'est une barre de rire. Alors attendez, j'ai chanté j'ai chanté sous l'effet du Saint-Esprit. Alors c'est un cadeau, les amis. C'est un cadeau, puis ça va être les chansons précédentes que j'ai chantées. Alors cet après-midi, j'ai écouté dans, cette chanson dans ma voiture. Je ne la connais pas l'air, mais j'ai dit je vais la chanter pour le Seigneur. Je vous laisse écouter ça. Et après, on fera le temps d'étude, les amis. Écoutez ça. Je ne sais pas la chanter, mais je l'ai écoutée et j'ai dit, il faut que j'essaye de la chanter pour le Seigneur. <laughs> si je la chante pour le Seigneur, je change quelques paroles. Amen. Des paroles, des paroles. Sans connaître les raisons. Pousser cet homme à vivre comme nous, une autre vie, on comme... Le Seigneur notre Dieu, il vivait sa vie là-haut. J'ai pensé en chantant la, la musique. Il vivait sa vie là-haut. Et on l'a poussé à venir vivre une autre vie qui n'était pas la sienne, mais une vie pour nous sauver, les gars. Et lui nous demande aussi d'abandonner cette vie qui n'est pas la nôtre pour vivre comme lui. Quelqu'un de glorieux Jésus-Christ, qu'il soit heureux ou qu qu'il soit triste, n'attristez pas sur sa piste. Il s'est donné, lui, pour qu'on échappe au jugement qui arrive à point à ses enfants, elle leur Père avec une impatience. Qui le laissera venir Les justes avec abondance Ils tourne sur le monde solitaire je Vous avez dit je ne la chanter hein? Vous étiez prêts Jésus approche un autre ciel. On se souviendra Bon, je vais là parce que une catastrophe. <laughs> Jésus, gloire à toi avec des catastrophes. Mais c'est vrai, on se souviendra de Dieu qui a commis son crime. Dieu a commis un crime je pour nous. Amen. Dit... Oui, j'ai dit, je la chante pour le pour le Seigneur. Je chantais des paroles comme ça, c'était tellement beau dans la voiture, mais j'arrivais à chanter avec le chanteur. Là, tout seul, c'est nul, j'y arrive pas. <laughs> on se souviendra de Dieu qui commis son crime. Un jour, bah pour tous les pécheurs que nous sommes, il s'est fait victime. Amen. Jésus est un homme extraordinaire. Amen. Voilà. Bon, j'ai essayé de, de vous donner un aperçu de ce que je chantais dans ma voiture. Amen. En sortant du boulot, j'écoutais RFM. Et là, ce soir, euh, j'ai pensé aux enfants. J'ai dit, il faut que je chante une chanson pour les enfants. Pour les enfants de Dieu que nous sommes. Amen. Mais les gars, mais les gars, il y a une idée qui m'a transpercé l'esprit. <laughs> Satan, c'est Santa. C'est le Père Noël. D'accord? C'est ce vieux pédophile qui vient donner à nos enfants des chocolats. Des chocolats, des paroles, des paroles, des paroles. <laughs> On dit à nos enfants, tu n'acceptes tu pas des messieurs, même des vieux messieurs, des bonbons, des cadeaux et tout ça. Tu T'as pas le droit. Et puis pour Noël, on leur donne, on leur donne dans leur tête autre chose. Pour les fêtes de Noël, on, le, on leur fait accepter d'un inconnu des bonbons et, 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 et des trucs. Et on se prosterne devant le sapin qui porte l'étoile. J'en ai parlé il y a quelques jours. Le sapin, qui on est des arbres devant Dieu. Le sapin est un arbre qui ne porte pas de fruits. Et à sa cime il y a un astre, l'étoile brillante de Satan, Santa. Et on se prosterne pour déballer des cadeaux, des choses matérialistes de ce bas monde. On rend un culte, en fait, le 25 décembre, à Santa. Et on se rend pas compte de ça, les amis. Je vous assure. Puis c'est un culte de, de pédophilie et tout ça, ce que j'expliquais. Hein, euh les enfants ont été brûlés, même dans le peuple juif, les enfants ont été donnés au bûcher. Et des fois, ce qui, ce qui retient le, le pied de ton sapin, c'est un, une bûche, une bûche de bois. Tout, tout est symbolique, en fait, je t'assure, c'est vrai, tout est symbolique. Euh, alors j'ai chanté, j'ai repris Petit Papa Noël. Écoutez ça, les amis. Pour nous, les enfants de Dieu. C'est le grand jour de l'éternel. Sa gloire s'étend infiniment la genoux, les petits enfants, avant de fermer nos paupières, faisons notre dernière prière. <laughs> Glorieux Père. Avec nos journées par milliers, notre vie de salut, les amis, <laughs> notre vie mortelle. Reviens, Seigneur Jésus. Amen. Nous croyons au Christ ressuscité. <laughs> Et avant de partir de ta gloire, Il nous tarde tant que tant grand jour se lève pour voir Jésus glorifié tous les beaux élus comme dans un grand rêve Susciter. Amen. Le jugement de Dieu est passé. nous les enfants nous font dodo. Eh oui, on Et fera dodo. L'église, elle s'endort. Les dix vierges s'endorment. Les cinq folles, les cinq sages s'endorment. Amen. Le Seigneur va pouvoir ôter sa voix sur notre dos. <laughs> son des trompettes, les ah, rétribution surprise C'est la récompense au <laughs> sent des trompettes, l'Église À rétribution ou surprise <laughs> Et oui, l'Église est séparée en deux. Il y en a, ils sont rétribués, ils sont punis par l'Éternel, et il y en a d'autres, ils ont une surprise. Il revient comme un voleur au milieu de la nuit pour les enlever. Amen Ils ont un cadeau, la vie éternelle. Et quand nous serons sur un beau nuage... Christ notre maison, nous sommes indignes de notre -héritage. Seigneur, on te demande encore pardon. <laughs> Jusque sur la nuit du ciel, on demande pardon à Dieu. C'est vrai que nous en sommes pas dignes de notre cohéritage finalement. Amen. Mais le Seigneur, c'est lui qui nous justifie. Si Dieu est pour nous, qui est contre nous Amen. גלויע On est le 20 août et c'est c'est pas Noël, c'est Glorieux Père Éternel. Amen. <laughs> J'ai ces idées des fois, les amis, je vous assure. J'ai ces idées qui me passent par l'esprit. J'ai pensé à un truc là. Je pense que c'est le Seigneur hein, aussi qui fait des choses en nous. Hein. Ça, c'est clair. De toute façon, on ne peut rien faire sans lui. C'est le Seigneur. Euh, le Seigneur, c'est Israël, les amis le Seigneur c'est Israël. Comment il s'appelait Abraham et Sarah étaient une préfigure du nouvel Adam et de la nouvelle Ève. Amen. Donc après il y a le mariage d'Isaac et de Rebecca. Ça ça serait le mariage de l'Église, les noces de l'agneau. Et après il y a euh, Jacob et les douze tribus d'Israël. Donc ça, c'est le règne de Christ sur la terre. Amen. En fait, tout est écrit, les amis. Tout est écrit d'avance. Amen. Mais nous, on ne sait pas tout, parce que tout n'est pas révélé. Et il faut qu'il y ait l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est la révélation, la révélation de tout, la mise en lumière de tout ce qu'il y a dans les ténèbres. Donc, Jésus s'est glorifié ici-bas dans les ténèbres, mais sa gloire, sa gloire, pardon, ne se voit pas encore. Il faut qu'il vienne, lui, la lumière, mettre tout en lumière, ce qu'il y a dans les ténèbres, y compris sa gloire, parce qu'il s'est glorifié ici-bas sur la terre. Et nous, on fait partie de sa gloire, parce que c'est dans sa gloire, dans, dans sa gloire d'humilité, qu'il nous a rachetés. Amen. Et au moment où la lumière va revenir, eh ben, il va, il va nous glorifier avec lui. Voilà, il va nous revêtir de sa gloire le matin. Amen. Le matin de sa venue. Alors, chers frères et sœurs en Christ, merci d'être là. Que la paix soit avec vous tous. Amen. Euh, tout à l'heure, j'ai fait Luc 18, les amis. Hein, j'ai fait le, le temps d'étude. Donc, on va, ne on va pas le réécouter. On va prier dessus, sur Luc 18, comme j'ai fait ce matin. Puis après, on va étudier. Romain 13, parce que j'ai pas eu le temps de faire toute mon étude. Aujourd'hui, j'ai bossé jusqu'à 13 heures, j'ai fermé la fermeture du magasin, le temps que je rentre, j'ai mangé, il était presque 14 heures. J'avais dit au frère Robert, je ferai un live peut-être vers les 15 heures ou 16 heures. Et puis le Seigneur, il m'a appelé, et puis du coup, je suis restée avec le Seigneur jusqu'à 16 heures, donc j'ai fait un live jusqu'à 16 heures. Je suis restée avec le Seigneur, non pas jusqu'à 16 heures, euh, moins tard que ça. Et je suis restée un petit moment avec le Seigneur. L'amour ne fait point de mal au prochain, dit Dieu. L'amour est donc l'accomplissement de la loi et Dieu attend de nous que nous accomplissions la loi. Mais nous, on ne peut pas l'accomplir la loi. Parce que, comme tout homme, c'est ce que je vous expliquais, Dieu nous a enfermés dans la désobéissance. D'accord Donc nous, on ne peut pas l'accomplir la loi. C'est perdu d'avance et Dieu le sait. Et c'est pour ça que toute gloire doit être donnée à Dieu. Dieu a enfermé les hommes dans la désobéissance, verset biblique. Dans la désobéissance, pas le péché. C'est le diable qui nous a fait pécher. Romains chapitre 11, verset 32, car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous, donc grâce à tous. Amen. Donc on ne peut pas accomplir les dix commandements, ce n'est pas possible. Et c'est pour ça que Christ est ton sauveur, parce qu'il les a accomplis, lui, il a accompli la loi et les prophètes pour toi et moi, pour tous ceux qu'il va sauver. Amen. Si nous ne croyons pas ce que Jésus et donc il est Dieu, Dieu manifesté dans la chair, le Messie, le Consolateur, celui qui nous réconcilie avec Dieu, qui nous sauve, le Rédempteur, l'unique. Eh bien, on va mourir dans nos péchés, tout simplement. Il n'y a pas d'autre sauveur que le nom de Jésus-Christ. Et c'est devant le nom de Jésus-Christ que tout genou va fléchir. Il n'y a pas d'autre médiateur que Jésus-Christ. Amen. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il est la religion. Incarné. Si vous voulez être religieux, faut imiter Christ. C'est ça, la vraie religion. C'est se convertir à l'évangile. L'évangile, c'est la vie de Jésus. C'est être un imitateur de Jésus. Donc, c'est être un chrétien, un petit Christ, un imitateur de Jésus. C'est de nouveau être transformé, changé à l'image du Dieu Tout-Puissant au ciel et ne plus être à l'image du Baphomet. Voilà. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure avec l'histoire du prépuce dans la circoncision les hommes en se circoncisant euh, le pénis en enlevant euh, ce prépuce ils se rétablissaient à l'image de dieu du créateur parce que là en fait le monde entier est tombé sous l'influence du malin mais le monde entier est à l'image du baphomet et oui et le monde entier c'était adam et ève c'était leur foyer ils avaient l'ordre de dieu de se multiplier dans le jardin et la terre était pourvu parce que dieu savait que leurs enfants auraient des enfants et euh, bah, il avait préparé d'avance une terre à remplir un monde à remplir leur donner un foyer plus grand qu'un jardin après d'accord et euh, Ève, elle a pris une décision pour son foyer activement elle a voulu être semblable à dieu euh, le diable il a, a, a fait mettre il a mis dans son esprit le diable il lui a fait regarder le péché le fruit du péché avec un œil neuf et il lui a mis le diable sa propre pensée dans sa pensée. Le diable, un esprit, a utilisé un corps de serpent, il a possédé un serpent, et il a mis la pensée qu'il avait dans son esprit, dans la pensée de Ève, être semblable à Dieu. Ça, c'est la pensée du diable. Hein? Et Ève elle a cru qu'elle serait semblable à Dieu et qu'elle n'aurait plus besoin de Dieu, qu'elle pourrait faire les choses du Ève, était fascinée par ce Dieu, ce Dieu vivant, qui venait la rencontrer par la Adam et Ève dans le jardin. Il parlait avec Dieu hein, face à face. Quand euh, Adam a péché, il se cache dans un buisson. Il entend la voix de Dieu et c'est la première fois de sa vie qu'il connaît la peur, l'homme, ce qu'il n'avait pas peur avant de cette voix. Cette voix était familière, mais là, il est séparé d'avec Dieu. Donc cette voix lui fait peur parce que Adam est à l'image du démon. Donc Adam, ben, il fait comme les démons. Il tremble devant Dieu. Il est devenu lui-même un démon. En sortant du jardin. Il portera sur son corps les effets du Baphomet, l'image du Baphomet, le prépuce et euh, la mort et l'esclavage, la souffrance, le deuil, le cri, les cris, les larmes, la douleur, tout ce que le Baphomet aime dans les ténèbres, tout ce que le Baphomet est capable de faire dans les ténèbres, le mal. Donc, si on est enfermé dans la désobéissance, chers amis, on ne peut pas accomplir les dix commandements, même étant circoncis. Tout homme circoncis ne peut pas être sauvé par la, par la Torah. C'est pas possible. Par les dix commandements. La Torah nous condamne, donc, elle nous met sous une malédiction. Et c'est pour ça que Dieu nous dit, nous demande de nous convertir à Dieu, de nous soumettre à Dieu, et, euh, d'obéir à l'évangile. Si le jugement commence par nous, verset biblique, donc le groupe d'hommes qui obéira à Dieu s'appelle l'Église. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu, donc l'Église, son corps. Or si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de Dieu Tous ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile de Dieu, même s'ils ont un prépuce, Dieu a dit dans la Bible, et j'ai pas retrouvé le verset, mais j'aimerais le retrouver. Je l'ai cherché pendant des heures. L'autre fois, je l'ai cherché pendant des heures, je l'ai pas trouvé. Mais ce verset-là existe. Ou s'il n'est pas dans la Bible, parce que si je l'ai cherché tellement, tellement, les amis. Je suis persuadée qu'il est dans la Bible. Ou alors, c'est le Seigneur qui m'a fait lire en esprit des choses, ou qui m'a fait une révélation, et j'ai peut-être confondu. Voilà. Mais pourtant, je suis, je suis quasi sûre qu'il est écrit dans la Bible. Le Seigneur a dit dans sa parole, donc que ce soit lui qui te le dit, qui te le révèle ou qui l'écrive, c'est la même chose, c'est la parole de Dieu vivante. Amen. Que tous ceux qui sont circoncis, mais qui n'ont pas accompli la loi comme Jésus l'a fait, donc en plus on ne le peut pas, parce que Dieu a enfermé tous les hommes. Il sait très bien que les hommes ne peuvent pas. C'est un piège, il le sait, Dieu. C'est exprès, ça lui est réservé à lui, pour qu'on reconnaisse qu'il est le Messie semblable à Dieu, que lui il est saint et que lui peut tout. Aux hommes, c'est impossible, mais à lui, c'est tout possible. Il a accompli la loi et les prophètes parce que lui, il n'a jamais péché. Lui, il n'avait pas de prépuce. Il n'a jamais été à l'image de la bête. Il est devenu semblable à la chair, donc il a fait une image lui-même d'homme qui ressemble même à celle de la bête parce qu'il a eu un prépuce et il l'a fait enlever. Amen. Il est né donc avec la tare. Il est né avec la tare du péché, mais son corps est sain. C'était une imitation, une imitation de ce que la bête a fait. Vous allez me dire, Dieu ne peut pas faire ça. Si, Dieu a fait ça. Parce que chacun reçoit selon ses œuvres. Le diable est un imitateur de Dieu. Donc Dieu lui-même va imiter le diable à certains moments. Et il a raison. Et c'est ça qui le le diable sera confus. Il ne sera, sera pas à des moments quand Dieu fera, fera des choses, il ne sera pas, ça va le dépasser. Le diable n'est pas si malin qu'on le croit, les amis. Amen. Donc Dieu, il a pris un corps de chair avec un prépuce. Avec la du péché, puis il est venu dans le monde. Amen. Et c'est pour ça que le diable, il ne sait pas c'est qui, en fait. Le diable, il connaît tout le monde, parce que le diable est le Dieu de ce siècle. Et là, il ne sait pas, il sait pas c'est qui. Et euh, c'est drôle parce que le Seigneur Jésus m'a fait faire il y a longtemps un Facebook pour lui, un face de book. Alors, euh, face de book, ça veut dire ce que ça veut dire. Hein D'accord? Et euh, bah, il, il... voilà, je suis mariée. Je suis mariée sur Facebook. Je suis mariée depuis le 27 décembre 2019 à, euh, ben, bah, je sais pas c'est qui. Alors, l'autre fois, je me suis énervée, j'ai mis éternel, je sais pas c'est qui, avril. Je voulais mettre, je sais pas c'est qui, éternel, avril, je sais pas c'est qui, éternel. Mais j'ai inversé la débile pour bon, ça fait vraiment ce que je veux pas. Mais, je sais pas c'est qui, c'est le nom de son Facebook, normalement. Donc, faudra que j'enlève ça et ça. Là, j'ai un mois pour l'enlever. Euh, la date n'est pas encore arrivée mais je vais l'enlever, je vais le changer, je vais remettre, je sais pas c'est qui, je vais remettre comme avant. Parce que je m'étais énervée après lui en fait. Donc, quand je m'énerve j'y ben, j'ai changé trucs, j'ai des je fais des crasses. J'ai fais des crasses. <laughs> Donc c'est pour ça que le diable il sait pas c'est qui en fait. Il sait pas c'est qui. C'est qui C'est qui Il dit si tu es fils de Dieu si tu es fils de Dieu le diable il sait que c'est un ange qui est là sur terre. Un ange de Dieu parce que euh, il est écrit, je vous cite les écritures, auquel de ces anges Dieu n'a-t-il jamais dit Tu es mon fils Verset biblique. Car auquel de ces anges Dieu n'a-t-il jamais dit Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc Dieu il a des, des fils, c'est les anges. Les anges célestes, à son image, en esprit. Ils n'ont pas de corps mais ils peuvent posséder des corps, avoir des avatars et venir dans le monde. Ils travaillent à son esprit dans le monde, ils n'ont pas besoin d'être de, dans des corps. Amen. Et Dieu a des enfants terrestres, des anges terrestres, et à la base, ben, ben ça devait être vous qui devez naître d'Adam et d'Ève. Parce que Jésus m'a révélé il y a quelques jours que quand il a séparé les eaux sur la terre, il a marché sur les eaux, il a toujours marché sur l'eau, hein. il a toujours fait ça. Il a marché sur les eaux qui n'est séparées, la terre qu'on appelait sec, et il a vu son image. Oui Seigneur, il dit, quand j'ai marché dans les eaux du ciel, j'ai vu Dieu, donc la véritable image du Père. Le Fils a vu le Père. Il est venu faire connaître le Père. Donc il s'est vu, il a vu son reflet. Amen. Quand il a marché sur le sec, il y a eu son ombre, parce qu'il est une lumière. Il est la lumière. Il y a eu son ombre qui s'est dessinée, et c'est comme ça qu'il a tracé de son doigt Adam, et qui lui a donné un souffle de vie. Et le souffle de vie qu'avait Adam, c'est une partie de l'éternel des armées de Dieu. C'est pour ça qu'Adam était un Dieu sur terre. Amen. Et les enfants qui naissaient d'Adam, c'était des anges terrestres, à l'image du Père dans le céleste, avec les anges célestes. Voilà, parce que tout est fait pour la gloire de Dieu. Et le diable a pris la place donc, de l'image, de la première image de Dieu. Il est devenu Dieu, Dieu de ce siècle. Et il a fait mourir l'image de Dieu. Parce que la femme, Ève, n'est pas une femme à elle toute seule. Ce n'est pas une femme à elle toute seule. Elle a été prise de la côte de l'image de Dieu. C'est une image dans une image, en fait. Et en faisant pécher une partie du corps déjà de l'homme, il a rendu faible l'homme, il a affaibli l'homme. La faiblesse d'un homme, c'est une femme, on l'a toujours dit. Et la faiblesse de la femme, c'est son enfant. Mais Dieu ne veut plus que nous marchions ainsi, il veut qu'on soit la faiblesse, qu'on ait pour faiblesse Dieu. On ne doit rien aimer de plus que notre Père qui est dans les cieux. Amen. Et euh, Ève était faite à l'image de Lucifer. Lucifer qui était un ange et qui était au ciel et qui servait Dieu, qui était en Dieu, dans l'esprit du Père. Vous comprenez? Donc, euh, Lucifer, c'est l'esprit de la déesse Achera. Et Achera, elle couchait déjà avec Azazel, un chef, un archange, un chef euh, avec une grande autorité au ciel, un chef des anges, voilà. Et euh, Azazel est devenu Satan. Dieu l'a rebaptisé parce que Dieu te change de nom en fonction de ta situation. Abraham était un homme pécheur et le jour où Dieu lui dit va dans le désert, euh, voilà, rends-moi un culte et tout ça, donc il n'avait pas, dans le désert, il n'avait pas de lieu de culte et tout ça. Donc on voit qu'Abraham, déjà, il est dans la vérité par la foi. Amen. Et Abraham, il s'embarque dans des tentes avec son épouse et puis. Euh, Abraham, il a, il a une souffrance, c'est que Abraham, lui, ne peut pas enfanter. C'est malheureux pour un homme de ne pas pouvoir euh, enfanter avec sa femme. C'est sa femme le problème. Comme Ève était le problème dans le jardin. Ce hein. c'est pas l'homme le problème. Ad euh, Abraham, il a, il a connu Agar, il a eu un petit avec Agar. Hein. Mais Agar n'était pas sa femme. Agar était, il faut le dire, je n'ai pas envie de le dire vulgairement, mais sa prostituée. Voilà son esclave. Donc ce n'était pas son épouse. Donc Ismaël est un bâtard. Et Ismaël, il peut pas avoir de Messie. Ismaël n'y fait même pas partie de la bénédiction. Il est maudit, il est chassé par Dieu. Il retourne dans le désert, enfin, il est maudit. Dans le sens où il n'hérite pas de la promesse qui est faite à Sarah, la femme qui épouse. Dieu va le bénir après pour ne pas qu'il meure parce que c'est quand même un enfant d'Abraham mais agar retournera en égypte dans le pays d'égypte elle est égyptienne elle retournera là-bas vers les antéchrists. et ismaël il va être circoncis mais trop tard treize ans c'est trop tard jésus a été circoncis à huit jours et euh, isaac pareillement huit jours tout mal est circoncis à huit jours chez les hébreux chez les juifs euh, si tu te circoncises, c'est trop tard. Et tu vois bien qu'en islam, ils font un peu comme Ismaël. Ils se circoncis des fois très tard. Euh, j'ai connu une sœur, parce que ça reste une de nos sœurs musulmanes, qui a emmené son petit euh, à l'hôpital, parce que maintenant ça se fait comme ça. Ben c'est moins barbare. Hein. C'est moins barbare. Moi, je, trie, je dis que c'est bien. Parce qu'elle pense au, à la douleur que, peut, euh, que ça engendre hein, sur son enfant. C'est une douleur aussi dans la tête à vie. Hein. Moi, j'ai eu des témoignages de musulmans qui se sont fait circoncire à vif. Euh, il dit c'est c'est à vie ça vif ça vif c'est dans ta tête hein, la douleur tu l'as pour toujours t'es marqué hein il souffre et quand ils prennent les petits, euh, ils prennent les petits des fois dans la couche tout ça ça brûle l'urine et tout ça tu sais c'est il faut pas le faire trop tôt quoi donc euh, on le fait normalement à huit jours, mais euh, le petit après tu mets même pas de couche et tout pour pouvoir t'occuper de lui, il faut mettre des langes faut toujours le voilà le nettoyer et tout et euh, j'ai connu cette femme qui m'avait parlé de la voilà ça se pratique à l'hôpital pour certains. Et puis, les, à l'hôpital, ils endorment. Ils endorment et puis ils opèrent. Voilà, ils opèrent le membre et tout ça. Donc, à l'hôpital, ils font ça. On est soi-disant dans un pays laïque et ils pratiquent ça. Vous voyez C'est quand même incroyable. Ils veulent bien faire des exceptions à qui ils veulent. Mais bon. C'est bien de passer par les hôpitaux plutôt que de le faire comme ça parce que le gamin, ben, c'est atroce. Hein. Des fois, c'est mal coupé et tout. faut voir. Hein. faut voir. Donc, Ismaël n'a pas l'héritage d'Abraham. Ismaël n'a pas. Comme dit le psaume 83, Ismaël est ennemi de Dieu. Donc ça peut pas. Le Messie ne peut pas sortir de lui. C'est pas possible. C'est pas possible. Je vais prendre le psaume 83. Je vais le reprendre. Psaume 83, Louis II. Ouais. Voilà. J'ai dit 83. Heureusement, elle m'a trouvé. Mais elle me prend la gueatauille là. Je veux pas celle-là. J'aime pas. Je veux la Louis II. Je veux ma Bible, ma version. Quantique psaume d'Azaf, enfin c'est écrit pareil dans toutes les Bibles. Ô oh Dieu, ne reste pas dans le silence, ne te tais pas, donc il va se lever, puis il va pas se taire, ce qui vient juger. Et ne te repose pas, ô oh Dieu, car voici tes ennemis s'agitent, ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses, et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Donc, euh, tu as des gens qui vont se rebeller contre d'autres personnes, pensant rendre un culte à Dieu. Tu es leur frère, et ils pensent rendre un culte à Dieu. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations. Donc, ils ont envie de tuer. Et Dieu a dit Tu ne tueras point. Celui qui tue est du diable, car le meurtre est un péché. Celui qui pêche est du diable. Et il n'y a pas de petit péché. Le mensonge, l'adultère, la pédophilie, les faux témoignages, tout ça, c'est du diable. Et même si tu enlevé ton prépuce, dans le spirituel, t'en as un de prépuce. Ce sera très facile à remettre ton vieux bout de peau enlevé dessus, hein. Le Seigneur, il a prévu des médecins. C'est écrit dans la Bible, j'en suis persuadé. Des médecins et le retour de tous ceux qui sont circoncis mais qui n'ont pas mis en pratique les commandements, qui ne sont pas venus à Jésus-Christ. Tous ceux-là, ils vont aller en Égypte, parce que c'est la ville du diable. C'est la base, la ville de Lucifer. Et les médecins vont leur remettre leur prépuce, leur honte, la, la même image du baphomet. Voilà. Donc, il y en a qui délibèrent contre le vrai peuple de Dieu. Et le vrai peuple de Dieu, ce pas les Juifs, ce pas les Hébreux, ce pas les Ismaélites, ce pas les chrétiens. C'est des hommes, des femmes, de toute langue, de toute tribu, de tout peuple et de toute nation rachetés, sauvés par le corps et le sang de Jésus-Christ. Il faut bien que ça rentre dans vos têtes. Ça veut dire qu'il y a du Juif, du musulman du chrétien, du bouddhiste, de l'hindouiste, des jaïns, euh, des gens laïcs, euh, des lucifériens, des sataniques. Et voilà. Dieu fait grâce à qui veut faire grâce. Il fait vivre qui veut faire vivre et il fait mourir qui veut faire, faire mourir. Jésus est le juge, amen, et c'est lui qui donne la vie. Et lui seul. Donc il y en a qui disent, parmi ces peuples, ces nations, ces tribus, ces langues, peu importe leur race. On n'a pas, euh, pas pour ennemi que les musulmans ou que les juifs ou que euh, certains chrétiens. Hein? On a des hommes, des femmes de toute langue, de tout peuple et de toute nation qui disent, exterminons-les du milieu des nations, ceux qui servent Dieu, ceux qui se convertissent à l'Évangile. Et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Israël, le nom divin. Israël. Jésus-Christ, Dieu. Ils se concertent tous d'un même cœur. Dieu t'a donné son nom parce que tu es son épouse. Tu portes le nom de l'Éternel. Tu es le peuple d'Israël, le peuple élu. Tu es le peuple juif, circoncis de cœur, pas dans la chair. Ils se concertent tous d'un même cœur parce qu'ils ont tous une même pensée, nos aînés. Ils ont la pensée du démon. Et celui qui s'attache à Lucifer, la prostituée, ne fait qu'un seul corps avec elle. Ils ont la pensée de Lucifer et parce que Lucifer, elle a la pensée de Satan. Ils font une alliance contre toi, donc ils se circoncient, euh, euh, ils se circoncient, et ils enlèvent euh, leur prépuce. Hein? Donc qui ça Qui se circoncis? Qui a fait une alliance contre l'Éternel Par contre, les tentes d'Édom, Esaü, les Ismaélites. Donc Ismaël, c'est le fils d'Abraham. Le fils d'Abraham, Ismaël, se circonci le prépuce. Mais il se bat avec tout le monde et depuis toujours. Et ça, ça a été annoncé. S'il se bat avec tout le monde, qu'il est dans la querelle, qu'il est dans les guerres, il ne peut pas être donc semblable à Dieu. Il ne peut pas être donc peuple de Dieu. S'il a la haine dans son cœur, c'est un démon. C'est un antéchrist, comme Esaü, comme les, Moab, les Moabites, les Agaréniens, les Gébalites, les Ammonites, les Amalikites, les Philistins et les habitants de Tyr. Et l'Assyrie qui s'est joint à eux. On va aller lire ce qui se dit encore de Ismaël. Il sera comme un âne, sa main sera contre tous. Verset biblique. Genèse chapitre 16, verset 12. On va remonter au 11 parce qu'il faut bien que ça parle d'Ismaël quand même. L'ange de l'Éternel lui dit, donc c'est l'ange de l'Éternel qui est messager déjà. Donc Jésus-Christ, c'est un ange sur terre. Si tu es fils de Dieu, dit le diable. Il sait à qui il a affaire. Et déjà là, l'ange de l'Éternel est le messager de Dieu. Dieu se met son esprit dans un ange. Le diable peut posséder des corps. Pourquoi Dieu ne pourrait pas posséder des corps et venir sur la terre Pourquoi vous limitez Dieu Dieu s'est fait chair. Dieu s'est entré son esprit dans un corps d'un ange et il est descendu sur terre. Voilà ce que ça veut dire. Voilà ce qu'est le médiateur, le consolateur, le chilo, le paraclet, le messie, celui qui est semblable à Dieu. Celui qui est semblable à Dieu, il a l'Esprit de Dieu en lui. Il est cher parce que c'est un ange. Un ange de nu sur terre ici. Un messager. L'ange de l'Éternel lui dit, voici Marie, euh, agar. J'ai cru Marie. Marie, qu'est-ce qu'elle foutrait dans la Genèse Voici, tu es enceinte. Ouais. Je pense à Marie, la mère du Seigneur. Voici, tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël. Car l'éternel t'a entendu dans ton affliction. Elle pleure parce qu'elle est répudiée. Et puis, elle ne vaut pas grand chose sur le marché. Parce qu'elle est plus vierge. Agar l'a connu. Elle part avec un gamin sous le bras. Et puis, c'est la honte. Elle part dans la honte. Donc, Dieu a entendu son affliction, il ne l'abandonne pas. Parce que Dieu a pitié des créatures. Ismaël sera comme un âne sauvage. Qu'on peut pas maîtriser. Qu'on peut pas dresser. Sa main sera contre tous. Toujours en train de se battre avec tout le monde. C'est un antéchrist. Jésus s'est assis sur Ismaël. Et il est allé à Jérusalem. Dante christ est allé à Jérusalem. Jésus est assis dessus. Jésus l'a mis sous ses pieds, notre ennemi. Amen. Jésus a tout pouvoir et toute autorité. Et la main de tous sera contre lui. Il habitera en face de tous ses frères. Abraham compte le nombre d'étoiles. Bah tiens, c'est le dessin animé de mes enfants de ce soir, parce que chaque soir, mes enfants. Après qu'ils sortent de l'église cachée, ils ont ordre du Seigneur de regarder un dessin animé biblique en rapport avec la Bible, parce que ils lisent pas la Bible les enfants. Les enfants c'est lent pour eux. Avant, je leur faisais faire des temps d'étude, mais c'est lent pour eux. Et euh, le Seigneur, le Seigneur, il a dit euh, de leur laisser regarder après l'église cachée, de les faire venir à l'église cachée. Il faut qu'ils assistent aux prières, qu'ils adorent, qu'ils se prosternent, tout genou fléchi devant le Seigneur. Mais après, voilà, ça dure un quart d'heure à peu près. Et après, ils vont, ils mangent, hein, ils prennent le corps et son agneau, tout ça. Mais après, ils vont regarder un petit dessin animé, biblique. Le grand sacrifice. Alors, je ne vais pas filmer le téléphone. Abraham. Ah, Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. Comme elle, tes descendants seront innombrables. Mais j'ai presque 100 ans. Comment pourrais-je avoir un enfant Ta femme, Sarah, te donnera un fils que tu appelleras Isaac. Je maintiendrai mon alliance avec lui et avec ses descendants après lui. Donc l'alliance de la circoncision a été donnée à Abraham qui l'a transmis à son fils Isaac et Isaac l'a transmis à son fils Jacob Ismaël qui avait quand même des... Qu a recherché après son père en grandissant euh, bah, il était circoncis dans la maison d'Abraham parce que Abraham devait circoncire même les esclaves selon la loi de Dieu. Quand tu as des esclaves, selon la loi des Juifs, hein, quand tu as des esclaves dans ta maison, ils doivent être circoncis. Alors Ismaël, qui était un esclave, il a dû être circoncis à l'âge de 13 ans. Mais après, Sarah euh, euh, n'a pas voulu que son fils Isaac euh, ait à partager les biens de son père et les biens qu'elle avait aussi avec une esclave, Agar. Et son fils Ismaël. Donc elle a demandé à Abraham de la chasser. Abraham ne voulait pas la chasser, parce qu'il aimait quand même son gamin, il faut le comprendre. Mais le Seigneur, notre Dieu, a dit à Abraham, il a parlé à Abraham, et il a dit chasse ta servante, écoute la voix de ta femme. Parce que de toute façon, sa femme, elle fait qu'un avec lui. Sarah, c'est comme si c'était la côte à Abraham, c'est comme si c'était Adam et Ève. Amen. Et c'est comme si vous êtes la côte de Christ, parce que vous êtes l'épouse de Christ. Vous serez racheté, son église. Jésus a été percé à la côte sur la croix, et de l'eau est sortie. Venez à lui, vous qui avez soif, et buvez. Amen. Il sert son épouse. Amen. Comme un homme sert dans sa maison. Et dans le monde, le monde, c'est la maison de Dieu. C'est le foyer de Dieu. Il, nous, il sert tout le monde. Il donne aux justes et aux injustes. À lui, la colère, la vengeance et la rétribution. Il y a une épouse adultère dans le monde, qui s'appelle Babylone la Grande, la mère des impudiques, des idolâtres, des meurtriers, de ceux qui pêchent, des enfants du diable, c'est des enfants du diable. Ils ne veulent pas se convertir à Dieu, se soumettre à Dieu. Ils aiment trop leur origine, leur tradition, leur coutume, leur fête, ce que leur père leur a transmis, leur nom de famille. Euh, ils aiment trop ces choses-là qu'il y a dans le monde. Et toutes ces choses-là qu'il y a dans le monde... Euh, bah, se soumettre au diable parce que le monde entier est sous l'influence du malin c'est le nouvel ordre mondial c'est le système mondial et si tu adhères à quoi que ce soit qu'il y a dans le monde tu n'aimes pas donc ton dieu de tout ton cœur ton âme ta pensée tes forces ton âme ta pensée tes forces ton cœur sont à l'intérieur et pour rendre un culte à dieu il faut lui parler le prier à l'intérieur et uniquement à l'intérieur les apparences ne servent à rien les euh, euh, les faux temples et tout ça qu'il y a dans le monde c'est des temples d'idoles ça sert à rien Ce soir, je t'offre cet agneau en sacrifice. Mon Seigneur et mon Dieu. Le premier à avoir offert un agneau, c'est pas Abraham. Le premier à avoir offert un agneau, c'est Abel. Le juste. Amen. Abel était berger. Et Abraham, qu'est-ce qui va devenir dans le désert Un berger. D'abord, il a tellement des troupeaux énormes qu'il est obligé après de se, de se séparer avec son neveu Lot. Amen. Abraham va faire des sacrifices à Dieu Certes. Et Dieu va lui demander Parce que Dieu va lui offrir, hein, à, à, aux hommes, c'est impossible. Un homme de cent ans, comment il va avoir un petit bébé, à, même à cent ans, avec sa femme, sa femme qui a quatre vingt ans? Comment ils vont avoir un petit bébé? Aux hommes, c'est impossible. D'abord, Sarah, elle le dit elle-même. Hein. Aurais-je encore des désirs pour mon Seigneur? Est-ce que j'aurai encore des désirs pour mon mari à quatre-vingt-dix neuf ans? C'est du vu, du revu, du revu, quoi. T'as même plus envie. Tu tournes le doigt à ton mari, tu dors à cet âge là, c'est terminé. Alors comment ils vont faire un enfant tous les deux? Elle est stérile, elle a toujours été stérile. Et à 99 ans, et longtemps elle longtemps qu'elle a atteint l'âge de la ménopause. Mais le Seigneur, au Seigneur, tout est possible. Le Seigneur les choisit comme il, les a, comme il avait choisi Adam et Ève. Ils ne font donc qu'une seule chair, et ce qui va naître d'eux est une préfigure d'Emmanuel, le fils de Dieu. De Jésus Christ. Ensuite, ce qui naîtra d'Emmanuel, ce qui va naître de, de, d'Emmanuel. De, euh, je le vois comme ça parce que je le vois en, en esprit, il me donne la définition que j'avais demandé tout à l'heure. Donc en gros, Abraham et Sarah, c'est la préfigure d'Adam et Ève, donc Jésus Christ, le nouvel Adam qui épouse une nouvelle femme. Il va naître d'eux forcément des enfants, mais après, euh, Adam et Ève, ils ont un enfant, un premier enfant, euh, c'est Abel, le premier juste, donc Isaac, un agneau, un agneau offert par Dieu à Abraham. Et Dieu demandera qu'Abraham sacrifie cet agneau. Et là, on a une préfigure, donc, du Père qui est dans les cieux, qui sacrifie le Fils sur la croix, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, le Christ, Emmanuel. Voilà ce que ça veut dire. Et dans un troisième temps, euh, Isaac va épouser Rebecca. Et avec Rebecca, il aura deux. Il aura deux, euh, deux jumeaux. Amen. Et euh, dans ces deux jumeaux, il y aura Ésaü qui va se marier avec des filles d'Ismaël. Voilà qui va, les mauvaises compagnies ruinent les bonnes mœurs, qui va vendre son droit d'aînesse et tout ça. Et il y aura Jacob. Jacob, qui est aussi un berger, et euh, qui va perpétuer la tradition des pères, et qui, qui va euh, faire des sacrifices d'agneaux. Et naîtra de, euh, de Jacob euh, six enfants avec Léa. En oh, beaucoup plus avec Léa. Dix, excusez-moi. Dix. Je crois que les six premiers. Dix avec Léa et deux avec Rachel. C'est ce qui formera les douze tribus d'Israël. Amen. Mais Dieu va se battre à un moment, va lutter. Dieu va lutter avec Jacob. Parce que ces femmes-là, elles sont prises dans la maison de Laban, donc dans sa famille. Le mariage entre frères et sœurs, c'est biblique. C'est biblique. Ce n'est pas un péché, hein. C'est vérité, c'est une vérité, c'est pas, pas un péché. D'ailleurs, vous-même, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous vous marierez avec vos sœurs en Christ, sur la nouvelle terre. C'est comme ça que commençait le monde. Euh, ce qu'on appelle inceste, c'est dans le monde qu'on appelle inceste. Si Dieu, il dit qu'il ne sait pas de l'inceste et qu'il déclare un mariage, puis d'abord, il vaut mieux que tu te maries avec une de tes sœurs, avec de ta famille, de ton sang, que de te marier avec une étrangère. Parce qu'une étrangère, alors, n'a rien à foutre de ton sang, de tes traditions, de tes coutumes et tout ça. Donc, de toute façon, il faudra bien vous dire que euh, ce qui était, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Amen. Donc, pour en revenir à Jacob, Dieu se bat avec lui. Ça, c'est une préfigure euh, de la lutte charnelle que nous avons avec l'esprit. Amen. Dieu vient vivre en nous, mais pour qu'on abandonne la, notre vie avec la chair, qu'on vive en esprit. Amen. Mais ça nous montre aussi que les douze tribus d'Israël n'étaient donc pas avec Dieu parce qu'ils sont nés de femmes pécheresses. Bien qu'elles ont été prises dans la maison de Laban, Laban était un idolâtre. Il avait des idoles. Sa fille Rachel, quand elle s'en va avec Jacob, elle s'assoit sur le chameau, elle cache les deux téréphiles sous ses reins et elle fait croire qu'elle a ses qu'elle ne peut pas se lever. Pour ne pas, pour pas que les serviteurs trouvent les deux euh, téréfumes de son père, les deux idoles, les deux idoles du diable. Donc c'est déjà des idolâtres. Euh, Jacob, il est béni par Dieu. Mais ces femmes, bon, elles ne font qu'une seule chair avec lui, ces, cham, ces femmes sont, euh, sont une occasion de chute pour lui, en fait, finalement. Il aura quand même ses enfants de ces femmes-là. Amen. Et euh, bah, Jésus c'est Israël. Donc Jacob est une est une, une préfigure, euh, est une préfigure de Jésus-Christ. Jésus-Christ, euh, qui est, euh, pour l'instant, tant que le jugement n'est pas fait, il est comme marié à deux femmes. Une, c'est la mère de tous les vivants, de tous les élus. Donc c'est la nouvelle Jérusalem. Et l'autre, c'est la la, la mère des impudiques, des idolâtres, des adultères. Qu'on le veuille ou non, Lucifer, la déesse Asherah, était la femme de Dieu, l'ex de Dieu. Il a divorcé d'avec elle avec la croix, certes. Donc elle, elle, elle est la chair qu'il faut abandonner. La nouvelle Jérusalem, elle donne beaucoup d'enfants, elle est comme Léa. Elle est comme Léa, elle donne beaucoup d'enfants à Dieu. La nouvelle Jérusalem, elle est en esprit, elle est en haut, c'est notre mère à tous. Et c'est d'elle que Dieu tire vos corps, la nouvelle matrice. Parce que Hachéra, c'est la, la déesse mère, donc c'est la terre actuelle qui, qui a laissé le diable se coucher sur elle, parce que le monde entier est sous l'influence du malin. Elle a la mer rouge dans laquelle les Ismaélites, comme les Israélites, sont passés. Les Israélites, sont passés les premiers, ce qui sont les premiers nés de Dieu. Donc, elle a été connue par Dieu. Elle a eu des enfants avec Dieu. Donc, il y a bien un peuple de Dieu sur la terre. Amen. Les Ismaélites sont la race de l'ivraie, qui sont passés en second. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, les Égyptiens, ils ne devaient pas en rester beaucoup, beaucoup en Égypte, après que l'éternel, après que l'ange de l'éternel, l'épée, Michael Archange, en une nuit a, tout, a tué tous les premiers nés. Ensuite, c'est encore l'Éternel, désarmé Jésus-Christ, qui fait euh, recouvrir Pharaon et ses cavaliers dans la mer Rouge. Donc les Ismaélites, les Égyptiens, sont morts dans la mer Rouge. Ils n'ont pas pu aller au mont Sinaï et, euh, et recevoir quoi que ce soit. C'est faux. C'est faux. Puis d'abord, au mont Sinaï, si on relit bien l'histoire, c'est les tables de la loi qui sont données. Ce n'est pas l'Apocalypse, ce n'est pas une révélation. Et le Coran n'est pas l'Apocalypse. Le Coran est une révélation après une révélation. Donc c'est tout du mensonge. Le psaume 83 nous dit, ils ont une alliance, les Ismaélites, autre que celle de l'éternel. Ismaël a cru imiter Abraham, mais personne ne peut imiter Abraham. Parce qu'Abraham, il a quelque chose en plus que tous les hommes n'ont pas eu, c'est la bénédiction de Dieu. Bénédiction qu'aucun de ses fils n'a eu, même Isaac. Parce que autant les Ismaélites que les Israélites, en commis le péché et l'idolâtrie. Ils se sont circoncis, mais en vain, parce qu'ils ne peuvent pas accomplir la loi. Ils sont enfermés dans la désobéissance et dans la malédiction de leur péché. Parce que les dix tables de l'Alliance sont venues avec Moïse, les dix tables de l'Alliance, voilà, de la circoncision, les dix tables de la loi, plus le Lévitique, animaux purs et impurs. Donc Ismaël ne pratiquait même pas animaux purs et impurs, finalement. Hein, parce que... Euh, euh, Abraham, il a son fils, et quatre cents ans après, vient Moïse avec les tables de la loi. Donc de dire que l'islam, c'est la religion d'Ismaël, c'est du mensonge. Ismaël n'a jamais connu même les dix commandements. Il a été maudit par la loi de la malédiction, la malédiction de la circoncision en fait d'Abraham, qui a été donnée au peuple, et quand le peuple a été adoré le veau d'or, voilà, ça a été terminé. Ismaël a eu la circoncision, donc quand il a été en Égypte, qu'il s'est prosterné devant les idoles de l'Égypte, il a été maudit. Mais il n'a même pas été maudit par les tables de, euh, des dix commandements d'Idon. Les Hébreux, après, les Hébreux ont été maudits. Et Pharaon était maudit, a été maudit avant même de recevoir les, les tables de l'Alliance parce qu'il a été enfermé dans la mer rouge. Amen. Dans les règles d'Achira. Il va mourir en enfant mort-né. Il ne sortira pas du monde, de la matrice. Il brûlera ici. C'est ce que ça veut dire, les amis. Quand, quand tu fais une fausse couche, tu as un enfant dans ton sein. Et le sang coule, le sang, euh, le sang engloutit cet enfant. Le, tu perds cet enfant, tu perds le sang avec. C'est fausse couche, c'est ce qui s'est passé. Hein, ah en fait, elle a, elle a fait fausse couche de tous les la semence du diable qui était en elle, les Ismaélites. C'est une vérité. Amen. De dire qu'Abraham euh, il est euh, il est musulman, c'est une erreur et une erreur grotesque, parce qu'Abraham est hébreu. Abraham, l'hébreu, s'écrit son origine, c'est ce qu'il est, c'est dans la Genèse, au chapitre 14, au verset 21. Un des serviteurs vient l'annoncer à Abraham, l'hébreu. Ismaël, il a l'origine de sa mère, Agar, l'égyptienne. Il n'a pas l'origine de son père parce qu'il a, il est pas, il n'a pas la bénédiction. Il ne l'a pas. Amen. Donc pour en revenir à Jacob avec ses douze fils appuyés sur le bâton, Jacob bah, parle déjà à propos du Messie. Il parle dans sa bouche parce que Jacob c'est un patriarche et c'est déjà c'est déjà un premier prophète en fait. Amen. Enfin premier prophète. Il fait partie des premiers parce que dans les patriarches Moïse était un patriarche prophète. Voilà. Donc il y a eu Moïse et après il y a eu, enfin, il y a eu Moïse. Euh, il y a eu Jacob d'abord et il y a eu Moïse après. Non, il y a eu Moïse avant. J'ai du mal à les mettre sur la chronologie, en fait. J'ai du mal à me les mettre dans mon esprit, je vous assure. C'est tellement... Euh... Jacob, il vient après Moïse, l'entend après Moïse. Il vient l'entend après Moïse. Non. Il vient avant. Oh, Seigneur, aide-moi, parce que j'y arrive plus, là. Là, je, je, je patine dans la soule, <laughs> Jacob, il a les, doux, les dix commandements. Non, il ne les a pas. S'il les a. Non, il ne les a pas. S'il les a. Non, il ne les a pas. Non, je ne sais plus. J'en sais rien sur une chronologie, j'arrive pas à les remettre en place. Que Dieu me pardonne. Mais je pas à dire n'importe quoi. Je n'aurais pas à dire n'importe quoi. Aide-moi, Seigneur. Avril, je vais t'aider. Oui. Oui. D'accord, donc il les a pas eus. C'est des Hébreux, c'est la première race d'Abraham qui est sortie de l'Égypte. Donc quand ils reçoivent par Moïse, donc ils les ont pas eus. Ils les ont eus plus tard. Enfin, c'est compliqué. Donc ils les ont pas eus, c'est plus tard, il vient après. Il vient après, c'est 400 ans après que Moïse vient après Abraham déjà. Amen. Et puis les enfants de Jacob, euh, les enfants de Jacob, euh, ben, c'est la race d'Abraham, certes, au Sinaï. Mais euh, ce n'est pas encore les douze fils. Ce n'est pas encore les douze fils. Si, Seigneur, si c'est les douze fils, ils étaient esclaves. Ah, moi j'ai du mal. Alors là-dessus, je ne peux pas vous expliquer là-dessus parce que voilà, dans une chronologie. Si, apparemment, c'est les douze fils de, de Jacob parce qu'ils étaient esclaves en Égypte. Voilà, donc il sortent de l'Égypte, ils vont au Sinaï, ils reçoivent les douze tables de la loi par Moïse. Voilà, mais ils n'avaient que la circoncision avant ça. Donc la célébration de la fameuse Pâque. De la fameuse Pâque. Se faire circoncire, se rétablir à l'image de Dieu, enlever l'image du Baphomet dans la chair. Voilà. C'est bon, Seigneur Oui. Continuons à écouter ça. Oui, c'est ça, Isaac. Un pas après l'autre. Lance-le de toutes tes forces, mon fils. Tu es devenu un jeune homme très fort. Merci, mon fils. Abraham, prends ton fils, Isaac. Ton fils unique que tu aimes tant. Va dans le pays de Moria. Sur une montagne que je t'indiquerai. Et là. Offre-le-moi en sacrifice. Tu, tu veux que je t'offre en sacrifice, mon fils unique, Isaac. Alors, Dieu, évidemment, qui ne veut pas un sacrifice humain parce qu'il n'est pas le diable. Amen. Donc là, on a une préfigure du Père qui va offrir le Fils. Euh, Dieu, euh, Dieu nous fait des images, nous parle en parabole depuis toujours. Donc, le vrai culte, déjà, s'offrait sur une montagne. Il n'y avait pas de lieu de culte à l'époque pour Dieu. Donc, euh, où est la Kaaba, là, à cette époque-là où, euh, où sont les églises chrétiennes Où sont les synagogues Il n'y en a pas. Il y en a pas. Donc, de dire que la religion d'Abraham, c'est notre religion aujourd'hui, c'est un mensonge. Ni les chrétiens, ni les juifs, ni les musulmans ne doivent dire ça, parce que c'est un mensonge. Et si tu aimes Dieu, tu ne fais pas de faux témoignages, tu ne mens pas, tu ne tues pas. Par contre, là, Dieu demande à Abraham de tuer et de ne pas tuer n'importe qui, son propre fils. Un père tuer son propre fils, il a pas trop envie quoi. Mais le, Dieu, Dieu n'a pas pour but de le faire, de le faire tuer son fils. C'est pas c'est pas ça qu'il veut. C'est pour voir si Abraham lui refuserait son fils unique que Dieu lui a donné. Abraham le chérit de tout son cœur parce que cet enfant il est unique à ses yeux. Il l'a tellement attendu, son temps, pour être père. Hein? Et euh, de plus, c'est un cadeau de Dieu. C'est une grâce de Dieu cet enfant. Qu'est-ce qu'Abraham va donner son bien le plus précieux dans sa maison? Est-ce qu'il va l'offrir à Dieu? Dieu a envie de savoir. Très certainement parce que le diable accuse Abraham. Si Abraham t'adore parce que tu lui as donné cet enfant, Abraham, il offrirait sa vie pour toi peut-être, mais certainement pas son fils Isaac que tu lui as donné. Le diable est un accusateur, il nous a toujours accusés parce que c'est la déesse Ashéra et elle était dans le royaume de Dieu. Elle, elle est restée longtemps dans le royaume de Dieu, elle a accès dans le royaume de Dieu parce que le, le premier ciel lui était donné. Et la terre, marche-pays de Dieu, ça lui était donné aussi. C'était une déesse, elle était la droite de Dieu en fait. Elle était la droite de Dieu, c'était la femme du Seigneur, elle avait un pouvoir, la moitié du pouvoir de Dieu. C'est pour ça que c'est un dur combat aujourd'hui. Dieu, c'est Dieu. Dieu reste Dieu. Amen. Même avec la moitié de, de, de son pouvoir, il peut, il peut lutter contre la déesse Ashira, il peut la tuer. Amen. Mais elle, elle, a mis beaucoup de pouvoir au service des forces du mal. Amen. Et Abraham, donc, est tenté et euh, bah, s'il refuse Isaac à, à Dieu, il montrera au diable bah, qu'il aime une chose dans le monde plus que Dieu. Il aura donc échoué au premier de tous les commandements. Tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, ton âme, ta pensée, tes forces. Et Abraham ne va pas échouer. Il va aller sur la montagne comme Dieu lui a indiqué et il va lui offrir Isaac parce qu'Abraham a dans son cœur une belle pensée. Abraham est un, est un homme euh, qui a du cœur. Et il se dit, parce que quand tu es quelqu'un avec du cœur, tu vas voir les autres comme, comme, comme si c'était toi en fait. Amen. Et c'est pour ça qu'un homme bon tire un bon trésor de son bon cœur et un mauvais, non. Abraham va se dire, si Dieu me l'a donné, Dieu va me le ressusciter, Dieu va me le ramener, puisque Dieu verra que je suis trop malheureux pour mon fils. Voilà. Mais je le sacrifie à Dieu. Abraham, il sort, il attache l'enfant sur l'autel le, sur et il sort le poignard, il est prêt à le, à le tuer, hein, à le sacrifier comme une bête. Alors déjà, c'est pas un sacrifice d'égorgement. Hein, parce qu'on nous explique que l'enfant est lié sur l'autel. Un hôtel qui prendra feu après, qui sera brûlé, mais que Abraham il lève le couteau au-dessus de l'enfant, donc certainement pour y percer le cœur, ou, mais certainement pas pour l'égorger. Donc déjà, c'est pas des bons sacrifices que certains font en égorgeant une bête. Voilà. Donc là, on a euh, une préfigure de ce que le Père va faire. Il va offrir l'agneau de Dieu. Jésus-Christ sera immolé. Il sera percé. Comme ce couteau qui perce la chair, qui aurait dû percer la chair d'Isaac. Il sera percé. Amen. Comme, comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut que le Fils de Dieu, donc l'ange de l'éternel, soit percé. Et c'est ce qui s'est fait. Amen. Ensuite, parce que dans le, le Fils, l'âme qui est dans le corps de l'ange, là, c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit du grand Dieu, du Dieu vivant, l'éternel. L'âme est dans le sang, le sang coule, donc l'esprit de Dieu est libéré de ce corps. Amen. Le corps est offert en sacrifice, mais l'âme de Dieu euh, va pouvoir euh, se glorifier, va pouvoir lier Satan, va pouvoir divorcer d'avec à la croix, parce que bah, s'il meurt, voilà, le divorce est signé. Et il y a une nouvelle alliance qui se fait parce qu'il y a du sang qui coule. Amen. Et l'esprit qui est dans l'ange de l'Éternel, c'est l'esprit du Père, l'esprit de Melchizedek, qui n'a ni père, ni mère, ni commencement de jour, ni fin de vie. Il monte dans la nuée du ciel. Il monte dans la nuée du ciel et euh, ben il va ordonner après que Christ monte. Il ira ressusciter son corps, tout ça. Christ montera avec son corps aussi. Amen. Au bout du troisième jour de résurrection. Et quand le Fils là-bas et le Père seront tous les deux là-bas, chair et esprit, ils vont se séparer l'un de l'autre. Et le Fils étant dans le père, va continuer à vivre même avec cet esprit en dehors de son corps et il va égorger véritablement le père. Là, il y aura un égorgement, un agneau immolé et c'est l'esprit du père, ben, c'est encore du sang qui coule, c'est le sang de l'esprit de Dieu cette fois, c'est même pas le sang d'une chair. Et c'est pour ça chrétien, quand tu manges le corps et le sang du Christ, il ne faut pas le regarder comme le corps et le sang d'un homme crucifié. Parce que Jésus-Christ, le... après, il a égorgé l'agneau de Dieu sur le trône, donc le Père, l'Esprit du Père. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment eu un divorce avec Achéra, parce que Achéra était mariée aussi en esprit avec Dieu. C'était es un esprit. Elle était mariée aussi en esprit. Et le Seigneur, il est mort dans la chair, mais après la chair est ressuscitée, elle a gagné l'immortalité pour toujours, donc elle peut pas mourir. Cette chair est déclarée Dieu. Amen. Et cette chair va égorger l'ancien des jours, l'esprit. En fait, Dieu, c'est comme si quand il y a eu l'alliance de Souillé avec Ashéra et tout ça, euh, cet adultère qui s'est fait avec le diable et tout, c'est son mariage qui a été souillé, son foyer, ses enfants, et c'est comme si il avait eu envie de mourir pour oublier tout ça, dans la douleur qu'il a connue. C'est pour ça que... Il a donné cet enfant, Emmanuel, pour nous faire comprendre ce qui lui est arrivé. ce que Dieu a beaucoup souffert, en fait. Quand il a créé le monde, il a vu le mal dans le monde. Après Satan, il est tombé dans le monde. Achera, elle a continué à coucher avec lui. Ils ont fait adorer le Vaudor, donc leurs premiers enfants, dans le spirituel, Ô, aux enfants de l'Éternel, qui se sont agenouillés au peuple d'Israël, qui se sont agenouillés devant le Vaudor. Voilà. Donc là, euh, Dieu a eu un dégoût tout ça. Il a eu un dégoût de ça. Il a eu un dégoût de lui-même parce qu'on faisait partie de lui-même. Amen. Donc Abraham, Isaac et Jacob, c'est le père, le fils et le petit fils, mais le père, le fils, le Saint Esprit. Amen. Le père, le fils vont faire naître. Donc du coup, le petit fils, Jacob, et c'est donc Christ, euh, le père de la multitude, le nouvel Adam. C'est une préfigure aussi de, de la multitude, c'est le consolateur, celui qui est semblable à Dieu, celui qui est semblable à Dieu, donc le nouvel Adam, l'image du Dieu vivant, le Père, le Fils, donc après il y a Israël, l'image du Dieu vivant, le nouvel Adam, l'esprit qui vivifie, qui va épouser Ève, parce que Ève est à l'image d'Achéra. C'est une image chouillée, mais Dieu va la sanctifier, va la justifier. Et Dieu va pouvoir brûler la déesse mère, l'original, et garder la photocopie. C'est ce qu'il a dit, ce sont ses propres paroles. Amen. Elle a traversé les siècles, elle a parcouru le monde. La plus belle de toutes les histoires. Osana sur la parole de Dieu. Parole et parole. <laughs> ah, je vous dis que Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Amen. Je ne comprends pas tout de suite la chanson du début. Il comprendra plus tard, c'est pas grave. Alors si on faisait ce temps d'étude, puis ce temps de prière surtout, on avait dit un temps de prière là. Luc, on va reprendre Luc chapitre 18 et on va prier l'Éternel notre Dieu. On va invoquer déjà son nom. Loué soit l'Éternel, car il est bon et sa miséricorde durera toujours. Béni soit Jésus-Christ qui revient dans la gloire du Père. Amen. Donc on va reprendre Luc 18 et puis on va prier dessus. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour toutes tes paraboles, pour le sens caché de ton évangile, donc de la Torah, que tu transmets à tes élus. Nous te rendons grâce d'écouter nos prières, euh, et nous à prier sans relâche, Seigneur. Tu es notre juge, tu vas bientôt venir dans le monde, et dans le monde, il y a deux villes Babylone la Grande et la Nouvelle Jérusalem. Tu nous as demandé de passer des ténèbres à la lumière, donc de sortir de Babylone la Grande, la mère des impudiques, des idolâtres, et tout ça, et d'aller à la Nouvelle Jérusalem, donc dans ton corps, Seigneur Jésus, ton épouse, ton Église. Seigneur, tu nous as dit de ne craindre personne car si tu es avec nous notre Dieu euh, qui sera contre nous. On s'en fout. Craindre personne, ça veut dire aussi craindre Dieu. Son nom est personne, c'est mon Ulysse. Il est je sais pas c'est qui. Pour certains, mais d'autres le connaissent. Certains disent Seigneur Seigneur et ne le connaissent pas, ne font pas sa volonté, mais d'autres le connaissent. Amen. On doit craindre personne. Amen. <laughs> Seigneur, que tous les enfants de la veuve qui adultèrent, l'enchantresse, la prostituée soient rejetés. Tu es une pierre d'achoppement pour eux, Seigneur. Que tous ceux qui ont fait des alliances contre toi soient rejetés, Seigneur, et punis d'avoir agi salement. Ils se sont fait circoncire, mais n'ont pas fait ta volonté. Ils se sont prosternés devant des idoles. Ils ont appelé Dieu ce qui n'était pas. Ils ont appelé temple de Dieu ce qui n'était pas. Le temple de Dieu, c'est un corps vivant. C'était le corps d'Adam, premièrement. Le premier qui était soumis à Dieu, qui avait une relation avec Dieu. Et c'est le corps de Jésus-Christ, secondo, parce que le premier temple a été détruit par le diable. Voilà. Le temple de Jérusalem a été détruit plusieurs fois et le, les vrais temples ont été détruits par le diable. Et le diable veut faire pareillement à l'Église. Il a envie de la détruire. Mais la, si la, il, il va, il va s'en prendre à elle, lui faire du mal, mais il ne va pas la détruire parce qu'il veut la garder captif Parce que plus il la garde captif, plus il gagne du temps. Et lui cherche à changer les temps et les circonstances, l'Antéchrist, le Fils du diable, Belzébuth. Parce que s'il reste qu'avec des impiques, qu avec des temples qui ne servent pas Dieu, des temples vivants qui ne servent pas Dieu, des idolâtres, des adultères, des impudiques, Dieu va les brûler tous. Amen. Gloire te soit rendue, éternel des armées. Jésus-Christ notre Roi pour tout ce que tu fais pour nous chaque jour, et pour tous ceux qui te désobéissent aussi. Tu leur donnes à manger, tu les laisses respirer, tu leur renouvelles leur souffle de vie, parce que tu as choisi un grand jour pour les juger, et l'heure du jugement n'est pas encore là. Tu nous permets de prêcher ta parole, d'être ton temple vivant, parce qu'on est corps de Christ, on est le temple vivant, on est le temple vivant, parce que c'est le nouvel Adam. Amen. Donc, euh, bah donne-nous... Euh, de prêcher selon ton Saint-Esprit et de toucher les cœurs, de réveiller les frères qui sont encore endormis par le diable. Le diable, c'est un serpent, c'est comme euh, K, je crois qu'il s'appelle K dans Mougli, hein, dans le livre de la Jungle. Tu sais, il berce l'enfant avec du mensonge et puis il l'endort pour mieux le bouffer. Et le diable, il vous berce à grands coups de mensonge, mais à croire que vous aimez ça parce que vous vous prosternez devant lui. Tu dois te convertir à Jésus. Celui qui ne met pas en pratique l'évangile mourra dans ses péchés. Amen. Celui qui ne reconnaît pas le nouvel Adam comme son Dieu et ne se prosterne pas devant le Christ mourra dans ses péchés. Et vous ne devez pas faire comme le diable, parce que sinon, ben, si vous êtes religieux et sectaire ou euh, mondain, vous faites exactement comme le diable. Vous êtes fils du diable. Vous êtes déclaré démon et déchu de la grâce de Dieu, de la vie. Vous irez dans les ténèbres avec le diable. Dans la colère de Dieu, c'est pas l'enfer, c'est pire. Vous brûlerez au siècle des siècles. Parce que Dieu a rétabli exactement ce qui a été perdu. Adam était un Dieu sur terre, il était le temple vivant de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Il avait une femme et des enfants qui devaient lui obéir, se prosterner devant lui, se soumettre à lui. Donc, si, si l'homme, s'il n'y avait pas eu de péché, vous, vous serez prosterné devant l'image de votre Père qui est dans les cieux, Adam. Vous aurez rendu un culte à Adam. Amen. C'est clair. Parce que dans Adam il y avait Dieu. Et c'est de là qu'il y, en fait. qu y a eu un problème, en fait. C'est de là qu'il y a eu un problème. c'est pas sur la terre d'abord qu'il y a eu un problème qu'est né le péché, c'est dans le spirituel. couchait avec Satan. Et enfin des saints contre Dieu, d'être des dieux, mais non dans l'univers, parce qu'il y a un seul Dieu dans l'univers, c'est l'éternel des armées, c'est Jésus-Christ. Amen. Donc d'être des dieux sur la terre. Et pour être des dieux sur la terre, il fallait enlever les dieux qu'il y avait sur terre. Donc, Adam et Ève. Mais Adam était fort parce qu'il était comme Dieu. Alors il fallait faire tomber la femme. Et la femme était à l'image d'Achéra. Donc ils n'ont pas eu de mal à la séduire. Ils n'ont pas eu de mal à lui parler, à venir comme un ami, comme un ange de lumière. Et pourquoi le diable a-désiré être Dieu? Parce que Dieu, quand il a créé Adam, son image, qu'il a tracé de son doigt, qu'il a vu son ombre. Dieu a une ombre, amen. C'est cette ombre qui est descendue sur Marie, c'est cette ombre que j'ai vue à taille réelle d'homme dans mon salon, c'est l'ombre déjà qui était dans la Torah, l'ombre de l'esprit de Dieu, amen. Mais Dieu est la lumière, amen. Donc Adam c'était une image de Dieu, mais c'était l'ombre dans lequel la lumière allait se manifester, Dieu, le Père, et Jésus c'est carrément la lumière, donc c'est même plus l'ombre, hein. c'est même plus l'ombre, c'est carrément la lumière, ce qu'il accomplit tout. Amen. C'est carrément Dieu. Le nouvel Adam. Donc quand Dieu crée Adam, il va appeler tous les anges, parce que les grands dans le royaume des cieux doivent servir les petits. Et là, Dieu l'appelle tous les anges et dit, je me suis fait une image dans la chair. J'ai fait une image à l'image de mon couple, un homme dans lequel j'ai pris une côte pour bah, faire une image de la déesse Achera, ma femme. Et les enfants qui naîtront de ce couple seront des anges terrestres qui devront se prosterner devant le Père. Amen. Donc devant Adam. Et Adam, bah, lui, se prosternera devant Dieu. Tout de, tout, voilà, c'est le chef. Adam, c'est le chef. Et le reste, c'est l'Église. Amen. L'épouse. C'est ce qui sort de l'épouse, les enfants. Donc, ils font partie de l'épouse. Amen. Ça reste la semence d'Adam. Donc, s'il n'y avait pas eu de péché, c'est comme ça que ça se serait passé dans le monde. Il y aurait eu un gouvernement mondial avec un père, un chef, à Adam. Tout le monde aurait respecté le patriarche Adam, qui était à l'image de Dieu et qui parlait avec Dieu. Ça aurait été le seul prophète, l'unique. Ça aurait été un roi. C'était un Dieu sur terre. Amen. Et donc le Dieu, quand il a créé son image, il appelle les anges sans leur dire tout ça, et il leur demande, il leur donne un ordre. Donc les anges doivent obéir à Dieu. Il leur donne l'ordre de se prosterner tous devant. Adam. Parce que Adam, ce pas n'importe qui, c'est Dieu dans la matière. C'est l'image de Dieu dans la matière. Mais ça reste Dieu parce que Dieu va se manifester en lui. Amen. Excusez-moi, j'ai envie d'éternuer. et <laughs> soit l'éternel. Amen. Donc, euh, les anges viennent à tour de rôle, se prosternent. Les anges fidèles à Dieu obéissent à tous les ordres. Il y en a un qui n'est pas d'accord. Azazel. Grand archange euh, d'une armée de chérubins ou de séraphins, je ne sais plus, mais d'une grande armée d'anges ou des anges, tout simplement, parce qu'il n'y en a quand même pas de titre. Mais En tout cas, c'est un chef, c'est un chef des anges, comme Michael Archange et un chef des anges. Mais Michael Archange, c'est le chef de, des archanges et de tous les anges, de toute la milice céleste, donc il est plus grand que Satan. Voilà. Et Azazel ne veut pas se prosterner parce qu'Azazel est jaloux. Azazel c'est le plus beau. Et là Dieu s'est fait une image et Dieu demande un truc qu'il ne devrait demander à un grand ange comme lui plutôt. Dieu prend de la poussière du sol pour faire un dieu dans la matière. Pourquoi ne l'a-t-il pas demandé à Azazel, qui est le plus grand de tous les anges, le plus beau Donc il est jaloux. Il veut pas se prosterner. Parce que lui, ce qui comprend pas aussi intelligent qu'il est, c'est que euh, Adam c'est pas n'importe qui, c'est le dieu de ce siècle. Et c'est une image, un avatar de Dieu, dans lequel Dieu se manifestera pour faire des enfants avec l'avatar d'Achéra, Ève, et pour avoir des enfants, des anges terrestres. Parce que ça, c'est le marchepied de Dieu. Il y a des anges qui y habitent, des créatures de Dieu qui y habitent, et au ciel aussi, il y a des. Et voilà, dans le spirituel, Dieu connaît aussi, connaissait aussi sa femme en esprit, il avait des anges célestes, mais là il voulait des anges terrestres, parce qu'il aimait sa femme par-dessus tout. Et il voulait encore des enfants de sa femme. Mais les cieux étaient déjà bien remplis. L'esprit de Dieu est déjà bien rempli. Amen. Et Dieu ne veut pas tous les hommes. Il ne les voulait pas comme des anges. Donc le démon ne veut pas se prosterner. Il est jaloux. Donc il refuse d'obéir. Et puis il va commencer à semer le doute dans le cœur des autres anges en disant Nous, on est quand même là depuis plus longtemps. On est des enfants aînés. On n'a pas à se prosterner devant le plus jeune. C'est le plus jeune qui doit se prosterner devant nous. Et là, j'ai le Seigneur qui met dans mon esprit Joseph, avec la tunique arc-en-ciel sur lui. Il a un rêve, Joseph, où ses frères aînés se prosternent devant lui. Voilà. Dieu vous, a... Dieu vous explique tout ce qui se passe dans le spirituel, mais avec des images charnelles. La Bible elle a un sens caché. Amen. des paraboles. C'est comme ça que Dieu parle. Les frères de Joseph sont jaloux de lui. Ils ont envie de le tuer. Ils vont prendre son vêtement que son père Jacob a acheté ils vont le tremper dans le sang d'une bête qu'ils vont égorger puis ils vont faire croire à son père Jacob qu'il a été dévoré par une bête et euh, ils vont vendre leurs frères à poil aux Égyptiens. Et Joseph, bah, Dieu sera avec lui. Parce que quand tu es, es un élu de Dieu, Dieu est avec toi. Amen. Tout simplement. Donc Joseph, un coup couronné, il est, il est la préfigure euh, déjà d'Adam, puis du, du Christ. Amen. Du Christ qui est le roi, qui est le roi et qui domine sur les ennemis. Amen. Joseph, il sort des prisons, de la prison de l'Égypte quand même, pour s'asseoir sur le trône de l'Égypte après, hein. Il est comme le roi d'Égypte hein? le roi d'Égypte, pharaon, il lui met sa bague et Joseph il commande sur toute l'Égypte après. Amen. Waouh, vous vous rendez compte Il est donc comme Dieu. Parce que le dieu de ce siècle, c'est pharaon d'Égypte. C'est l'avatar de Satan, pharaon. C'est l'Antéchrist. Le premier Antéchrist avant les temps avant la fin des temps. Et euh, bah Pharaon sur Terre, il est comme Dieu, il se déclare lui-même Dieu. Il le dit qu'il est Dieu. Il s'assoit dans le temple en Égypte et il dit qu'il est Dieu. Il y rien de nouveau sous-soleil, c'est ce que fera l'antéchrist Belzébuth, fils du diable. Il s'assira dans le temple dans nos jours à nous et puis il dira, euh, je suis Dieu. Regardez le pape. Le pape se fait appeler Saint-Père. Dieu Les curés sont appelés mon père, c'est aussi l'antéchrist. Dieu Les Ismaélites osent dire que Mahomet, c'est le Shiloh. Le Shiloh, c'est celui qui est semblable à Dieu. Donc, ils sont anti-Christ et ils disent qu'il est, est Dieu. Regardez dans toutes les religions, vous verrez que les gens se déclarent Dieu dans leur lieu de culte. Donc, au commencement... Le péché n'est pas né dans la matrice, il est né dans la tête d'un ange, dans l'esprit d'un ange, rebelle à Dieu, Satan. Satan est donc la source du péché. Et Satan, c'est un esprit qui peut posséder plusieurs corps. En vous faisant pécher, en mettant ses idéaux dans votre tête, il fait de vous ses avatars. Et le monde entier sous l'influence du malin. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Oh, c'est pas grave, on verra demain. Laisse-la, laisse-la dehors pour la nuit. Elle a, elle a trop chaud, la grosse. Elle a trop chaud, t'as vu les poils qu'elle a? Suis-la rentre, elle va mourir de chaud, pauvre bête. Laisse-la dehors sur le balcon, elle craint rien, il y, y a son abri et tout. Elle a un coussin pour dormir, elle aime bien être dehors et la nuit. Alors, ce que je disais, cet enfant m'a coupé. Le diable, oui, il possède plusieurs corps, et c'est pour ça qu'il va faire croire en plusieurs dieux euh, à l'Égypte. Mais il va faire croire à plusieurs dieux, puis après, de toute façon, il aura des enfants avec eux avec eux, la déesse mère, et ils auront des esprits, des démons qui se feront passer aussi pour des dieux, enfin voilà. Mais Dieu lui-même aussi, qui a un esprit, et qui est le père de tous les esprits, son esprit, il l'a donné à beaucoup de créatures. Il a soufflé son esprit dans, nos, dans les narines d'Adam, et Adam a transmis, sexuellement parlant, sa semence, qui était une semence vivante, à son épouse. Amen. Et Dieu, qui est la source de vie, pas la source du péché, il a insufflé dans les narines des bêtes, un, le même souffle de vie qu'Adam, et les bêtes ont eu une semence, et ils ont semencé leurs femelles, et, et voilà, toute créature est créature de Dieu, enfant de Dieu. Dieu est père, et d'une multitude que vous ne pouvez même pas sonder. C'est lui la vie. Donc, pour en revenir à ce que je disais, parce que le Seigneur est murmuré dans le fil, le péché n'est pas né dans notre monde. Il est entré en Ève, mais il existait dans le diable avant. D'avoir la pensée du diable et de faire ce que le diable t'ordonne de faire, ça fait du diable ton dieu. Et la terre entière est sous l'influence du diable. Tout ce qui existe dans ce bas monde, c'est le nouvel ordre mondial depuis longtemps. Avant, ça s'appelait un nouvel ordre mondial. Ça s'appelait euh, ordo. Euh, c'est pas chaos mais c'est à peu près la même chose. C'était euh, le nouvel ordre des âges. Alors ça se disait en latin. Ça se disait en latin, les amis. C'est écrit sur, le, sur le, les États-Unis d'Amérique. Des âges, donc des temps passés, des temps anciens. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le nouvel ordre de succession, tiens, le couronnement du prince, machin, bon, on, va, on risque de retrouver plein de choses avec ça. La crise bancaire dessine un nouvel ordre, un nouvel âge du capitalisme. Euh, ouais, mais ça, je voulais. Euh, C'est l'Amérique. C'est le nouvel ordre des âges. Le nouvel âge, une religion planétaire. C'est le nouvel ordre mondial, mais ça existait déjà au temps du diable. Ce que le diable il a toujours essayé de faire en fait, il a toujours essayé d'être le Dieu de ce siècle, mais il n'y est jamais arrivé. Euh, Babylone, l'Égypte, c'est des grandes villes où le diable aurait voulu s'asseoir dans un temple, se dire comme Dieu, dans le corps d'un homme, et dominer sur toutes les nations. Mais il n'a jamais pu le faire parce que Dieu a sorti la nation d'Israël des Ismaélites. Puis après, au temps de Babylone, il, a, il sort les Juifs. Et puis voilà, parce qu'à chaque fois, les enfants de Dieu sont tombés sous la captivité des démons. Les enfants d'Achéra et de Satan. Les enfants des hommes, d'Adam, sont tombés sous la captivité de l'ennemi. L'ennemi qui domine dans le monde, parce que le diable est le père et euh, le Dieu de ce siècle, et le, un père donne à ses enfants. Donc il y a des gens qui ont la gloire dans ce bas monde. Regardez. Regardez, euh, les Arabes saoudites, les machins, c'est les gens les plus riches. Ils ont l'argent, ils ont, ils ont tout ce qu'il faut parce que ben, le diable est un père, il donne à ses enfants. Amen. Et Dieu aussi est un père, et Dieu est un esprit. Un père en esprit qui donne aussi à ses enfants. Donc Dieu veut donner son cohéritage, ses bénédictions, la vie, la source qu'il est de joie, de paix, d'amour. dans toutes ces vertus, il vous les donne à vous ses enfants ses élus mais faut que vous sortiez du monde faut que vous renoncez à votre ancienne vie donc dans le nouvel adam parce que finalement le nouvel adam a été habité par le serpent par l'esprit du diable amen donc vous avez un cohéritage mais pas dans ce bas monde c'est pas un cohéritage de, de pierres précieuses de perles et tout ça comme les Arabes saoudites comme les gens riches de ce monde c'est euh, pas comme le pape, hein. le pape aussi, hein, c'est un fils du diable, t'as vu l'argent qu'il a et tout, il a des grosses bagues en or, il a carrément un carrosse en or, rien qu'il vendrait deux, trois bagues, déjà, je suis sûr qu'il pourrait donner à manger une bonne partie de l'Afrique, ça c'est sûr et certain. Mais ils ne le veulent pas. Parce qu'ils accomplissent le dessein de leur père, le diable, ils vont en Afrique que pour, pour violer, torturer, tuer. Parce qu'ils se mettent pas en peine des brebis, c'est des antéchristes. Ils vont en Inde que pour violer, tuer, torturer. Ils se mettent pas en peine des brebis, c'est des antéchristes. Que fait l'islam Mahomet, c'est un grand coup de meurtre, de viol qu'il a imposé l'islam. C'est un antéchrist. Que font les papes C'est grand coup de guerre, de viol, de pédophilie dans les églises qu'ils ont imposé la religion. L'Afrique a été en proie au christianisme et à l'islam. Parce que, parce que, parce que c'est comme ça que les antéchrists ont imposé par force les religions. Dieu n'est pas une religion. Et Dieu se met en peine des brebis parce qu'il est venu mourir pour vous à la croix. Amen. Donc, si le péché a eu des conséquences dans le spirituel, c'est tombé sur le charnel et le charnel, c'est Ève. C'était elle la plus faible. C'était Canos, Eve. C'était Canos finalement. Elle n'avait pas la force. Elle n'avait pas la force comme Adam avait la force. Amen. Elle a été faite à l'image de Dieu d'un os d'Adam, d'une côte. Je ne sais pas combien d'os de, de, on a dans le corps, je devrais le savoir. On a, on a un bon paquet, plus de 400, je crois. Je ne sais plus exactement, je le savais, je ne sais plus. Mais F, c'est qu'une un, qu partie d'Adam, qu'un os. Amen. Une côte. Donc, déjà, dans les religions où l'homme a le droit de prendre plusieurs femmes, c'est faux. C'est faux parce que Dieu n'a pas fait plusieurs femmes à Adam. Il n'en a fait qu'une. Donc, le péché, il a trouvé une base. Une base, c'est Ève. Et euh, c'était merveilleux que ce soit elle parce que ça tombait super bien parce que tout ce qui allait naître de son ventre, normalement, ça allait être considéré sain. Si elle, elle pêche, tout ce qui va sortir de son ventre, ça sera souillé. Et on, était, on est tous sous le chemin de la perdition parce que elle, elle y a été. Elle a été aux enfers. Elle a été soumise au diable. Donc Dieu, ce qu'il est venu faire, c'est qu'il a donné toute sa gloire à un enfant, à un ange, à un de ses anges, le premier de tous les anges, le chef de la milice céleste, celui qui a vaincu Satan. Parce que cet ange-là déjà il a du mérite, il a vaincu Satan. Amen. Et cet ange-là c'est Christ. Donc cet ange-là il l'envoie sur la terre comme un enfant Emmanuel ayant toutes les bénédictions de Dieu en lui. Et que va faire Dieu? Bah ben, il va rétablir ce qui a été cassé déjà dans le spirituel parce que c'est dans le spirituel que ça a déconné. Donc, faut pas rétablir. C'est pas la peine de, de reprendre une femme, mais tout de suite et de. Euh, non, non, c'est pas ça. Faut rétablir dans le spirituel ce qui a été cassé. Et à quel moment ça a été cassé, l'histoire, notre histoire? Bah, c'est au moment où Dieu donne l'ordre aux anges de venir se prosterner. Donc, Dieu, quand Emmanuel va naître, il va donner ordre aux anges de venir se prosterner. Les mages, les gens les plus riches, vont venir se prosterner. Mais avant les mages parce que Jésus a tout pouvoir, toute autorité, donc avant les pouvoirs terrestres et mondains, les anges célestes vont se prosterner devant lui, mais ils vont aller aussi annoncer, après cette prosternée, aux bergers dans les champs, qu'un enfant nous est né, Emmanuel est son nom, ça veut dire Dieu avec nous, il est notre Père, notre Prince de paix. Amen. Il est le Chilo, le Messie, le Paraclet. Et les bergers, qui gardaient les troupeaux dans les champs, préfigurent de Christ... L'agneau de Dieu qui va garder le troupeau de Dieu en attendant que Dieu meure dans le spirituel parce que Dieu le dit, j'étais mort. Et me voilà ressuscité. Dieu a été gorgé dans le spirituel. Amen. Sans sang à coulé Il est mort en la chair. Bon, il n'est pas mort dans, complètement dans le spirituel, mais il a été gorgé sans sang à couler. Parce que 200 cents sang, de son sang, Dieu se crée une épouse. Ça ne sera plus d'une côte, ça sera carrément 200 cents sang. Et elle est son corps parce qu'elle est comme lui, elle est la chair de sa chair, l'os de ses os. Amen. Elle est son épouse, parce qu'Achéra la déesse mère, n'est plus digne d'être appelée notre mère, la reine du ciel. Elle est plus digne de ça. Amen. Donc Dieu il a réparé ça parce que les anges se sont prosternés. Alors du coup, bah le prince de ce monde sera jeté dehors, le prince de ce monde l'Antéchrist qui a le pouvoir de Satan sans père, la gloire. Il sera jeté dehors parce que, bah, du coup, c'est de nouveau le foyer de Dieu, du nouvel Adam. Il a sa femme, la nouvelle Jérusalem, et il est en train d'enfanter, donc on subit les douleurs de l'enfantement, il est en train d'enfanter des enfants, un peuple, il est en train d'engendrer un nouveau peuple en rachetant des âmes dans l'ancien peuple, l'âme de ses enfants, et pas de ce qui est né du diable. Amen. Il y a de livrer dans le monde, et il y a du blé. Le diable a semé livrer, parce que le diable a ensemencé la terre, le champ, le monde, la déesse mère, et euh, Dieu avait ensemencé aussi. Et le Seigneur nous donne sous une forme de parabole comment c'est-il que toi tu as semé euh, du blé et qu'il pousse de l'ivraie. hein, euh, voilà. Dieu n'a qu'une bonne semence en lui, c'est le blé. Il n'a pas d'ivré, c'est le diable ivré. Amen. Alors on va euh, on va prier les amis sur euh sur Luc 18, parce que c'est ce que je voulais faire. Oh, pousse-toi, Belzeb. Une mouche à 6 qu'elle vient foutre. Tu viens écouter la Bible. Antéchrist. Oh, elle a tiré par la lumière, il hein, y ça. Je la... Va-t'en. j'aime pas les mouches. Gage. pousse toi Belzebuth. Ha! <laughs> la mouche. Non, c'est Luc, Luc 18. Elle me fait perdre. Ah, oh, dégage, tu, me, tu viens me troubler, là. Tu viens m'embêter. laisse toi Casse-toi tu pues, il marche à l'ombre. <laughs> Alors, c'est euh, Luc 18. Belle ben, est là, hein, cette pourriture, là, dégage. Je vais t'attraper, je vais te donner à mon poisson, tu vas voir, je vais te donner à Ishtus, il va te manger. Il va te manger, belle Tu vas voir, tout cru. <laughs> On est en train de prier. Puis je suis reparti. Voilà, c'est vrai que je parle trop, le Seigneur il l'a dit. Je suis une femme après. <laughs> Seigneur, tu voulais une femme, j'en suis une. <laughs> Donc entendez ce que dit le juginique. Le juginique c'est l'antéchrist. Seigneur, nous prions pour Belzébuth, l'antéchrist. Prions pour lui, Seigneur. Parce que tu nous as demandé de prier pour ceux qui nous maltraitent et qui nous persécutent. Et nous persécutent, Seigneur, par son nouvel ordre mondial. Nous le bénissons, Seigneur. Nous ne le maudissons pas, parce que si on le maudissait, ça serait le diable qui devrait ressortir pour le juger, Seigneur et le récompenser. Nous le bénissons, Seigneur, parce que à toi la colère, la vengeance, la rétribution et toute récompense. C'est toi qui donnes les bénédictions, Dieu. Donc si on le maudit, c'est toi aussi qui peux donner les malédictions. Mais si on le maudit, on appelle le mal. Nous on veut appeler l'esprit du bien. Amen. En prie pour l'Antéchrist et tous ceux qui sont Antéchrist, qui travaillent pour le monde et qui font des choses selon les sectes, les religions, selon les choses de ce monde, Seigneur. Qui font des choses qui ne te glorifient pas, Seigneur. En prie pour nos ennemis. Ils sont tous nos ennemis, Seigneur, parce que ils ne t'aiment pas. S'ils ne t'aiment pas toi, donc ils ne nous aiment pas, nous. Mais à toi, la colère, la vengeance et la rétribution. Seigneur, fais-nous promptement justice par le Fils de l'homme qui vient. Qui était, qui est, qui est le Père, euh, qui est le Père, hein, euh, celui qui m'a vu a vu le Père. Euh, parole de Jésus Christ. Trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Donc Seigneur, nous prions les frères et sœurs et moi-même euh, de garder la foi, de te trouver persévérant et d'être bien heureux parce que on mettra en pratique tous les commandements que tu veux nous voir mettre en pratique. Simplement, on peut rien faire. C'est à cause de ton nom qu'on peut faire les choses. Donc tu es le béni, tu es le fidèle, le véritable, la Parole vivante de Dieu, la Parole faite chair. Ton nom est la parole, hein? roi des rois, seigneur des seigneurs, le consolateur. Donc on demande en ton nom de pouvoir garder la foi, Seigneur, en attendant que tu te lèves pour juger tous ceux que tu dois juger, justes et injustes. Seigneur, éloigne de nous la pensée d'être des justes. On sait qu'on est justifié par ton corps et par ton sang, donc on doit se le mettre dans la pensée. Mais éloigne de nous d'avoir la pensée de croire que c'est par nos propres mérites, parce qu'on prie, parce qu'on adore ou parce qu'on lit la Bible, on s'est justifié, certainement pas. C'est par le corps et le sang de l'agneau qu'on est justifié et que gloire te soit rendue au siècle des siècles, éternel notre Dieu. Amen. Seigneur, nous prions pour les gens sectaires et religieux euh, qui sont aveugles et nus. Euh, comme tu as prié pour les pharisiens, publicains, comme tu les as visités, envoie-nous les visiter, Seigneur. Mais euh, après, euh, que ton Saint-Esprit, qui est la pierre d'achoppement, si tu veux les perdre, mais perler, c'est toi qui fais le tri, Seigneur, c'est toi qui sauves, on peut rien faire. Amen. En tout cas, on prie pour eux. Parce qu'on sait que tu ne prends pas plaisir à la mort du méchant, et les gens sont juste religieux et sectaires. Ils ne sont pas méchants. Enfin, ils ne sont pas méchants. Ils le deviennent, ce qu'ils deviennent à l'image du diable étant religieux et sectaires. Donc. Euh, en prie, Seigneur, pour, pour les frères et sœurs qui sont encore aveugles et nus loin de toi. Sors-les de leur secte et de leur religion, de leur parti politique, de l'endoctrinement laïque qui leur lave le cerveau et qui leur fait faire n'importe quoi. Oh Dieu, nous te rendons grâce. Et, euh, nous prions, bah, pour, pour les ravisseurs, pour les injustes, pour les adultères, pour ceux qui ressemblent à des publicains. Amen. Seigneur, fais-nous jeûner les jeunes spirituels et fais-nous donner la dîme spirituelle, pas charnelle. L'argent t'en a à la Maman, te... Maman ne te glorifie pas, Seigneur. Donc fais-nous donner la dîme spirituelle à quiconque fait partie de ton peuple. À Christ surtout, parce que c'est à Christ qu'on doit payer la dîme. Amen. Mais Christ, c'est devenu l'Église. Hein? Amen. Oh Dieu, sois apaisé envers nous qui sommes pécheurs. Nous faisons la prière du publicain, hein, afin qu'on puisse trouver ta maison, le chemin de ta maison, l'église, et qu'on soit justifié pour la gloire de ton nom et par ta bonne grâce, plutôt que de se persuader qu'on est des, des bons serviteurs et qu'on mérite le paradis, comme beaucoup de gens font l'erreur de croire qu'ils méritent le paradis. Seul Dieu mérite le paradis, c'est la maison de Dieu. On n'est personne, nous. On est des créatures qui vivaient loin de Dieu sur la terre. Personne n'est digne d'aller dans le royaume des cieux, dans le paradis. D'abord, on n'ira même pas, on n'ira même pas les hommes dans le paradis. On y a été spirituellement par l'âme. Parce que l'âme s'assoit en Christ et Christ s'assit sur le trône de Dieu. Mais Christ, il vient à la rencontre de l'Épouse sur la nuit du ciel. On va aller sur la nuit du ciel, mais ce ne sera pas le paradis. Le paradis sera toujours sur la terre, hein, qui sera renouvelée, ce sera une nouvelle terre, une nouvelle matrice. Votre nouvelle mère, la des mère, la nouvelle Jérusalem. Amen. Quiconque s'élève sera abaissé. Et celui qui s'abaisse sera élevé. Les hommes doivent devenir tout petits comme les enfants pour pouvoir déjà se prosterner devant Dieu et parler avec Dieu. Amen. Les hommes doivent revêtir Emmanuel. Quoi Eh ben, dis à mon que te met de la crème. Donc on amena à Dieu un petit enfant les petits enfants, il les toucha. amen. vous devez être semblable à des petits enfants. vous devez être semblable à emmanuel. donc, emmanuel, c'est le tout petit. donc, euh, il incarne l'humilité. il incarne l'humilité. il c'est le faible. mais qui est, qui est plus fort? c'est le petit david. donc, jésus-christ reprend le royaume de, de david, hein, du roi david. amen. Euh, c'est le petit berger qui va tuer goliath, la grosse bête, qui est plus forte, beaucoup plus forte que lui. Amen. Donc si on a une victoire, les amis, ce n'est pas notre victoire, c'est celle de Dieu. Et rendons gloire à Dieu. Seigneur, je prie pour tes disciples et pour tous les anges qui sont dans les cieux. Qu'ils nous amènent à toi, Seigneur Jésus, puisque c'est les anges qui enlèveront des nations ton peuple. Amen. Seigneur, appelle-nous dans le spirituel et laisse venir à toi à tes petits-enfants que tu as justifiés, que tu as fait naître de nouveau, de, de nouveau, de nouveau. Euh, ne nous empêche pas seigneur de venir à toi tant qu'on est dans ce corps on demeure loin de toi seigneur la chair et le sang n'héritent pas du royaume des cieux donc c'est par nous toi l'épée à double tranchant enlève notre chair enlève notre sang et sauve nos âmes seigneur appelle nos âmes en dehors de ce monde donc sur la nuit du ciel seigneur fais nous recevoir le royaume des cieux notre cohéritage que tu nous as promis par ta vérité Emmanuel, le Christ, le prince de paix. Jésus, tu es notre chef, notre tête, notre directeur, euh, notre bon maître. Mais bon, il ne faut pas y faire du décharge de bottes, il n'aime pas ça. Mais un seul est bon, celui qui est dans les cieux, c'est toi qui es assis dans les cieux, tu es notre maître, notre rabbi. <laughs> Donc on ne fait pas du décharge de bottes comme le faisait l'homme riche, mais euh, nous te supplions, Seigneur, de nous faire bah, hériter de notre cohéritage, de nous donner ce que tu nous as promis dans le spirituel. Fais-nous observer, Seigneur, tes commandements euh, bah, par l'amour et par la foi. L'amour, c'est l'accomplissement de la loi. Donc, si on est amour, rends-nous amour, rends-nous euh, comme Dieu. On sera des consolateurs, parce qu'on est le corps de Christ et Christ est le consolateur. Voici mon Fils en qui j'ai mis tout mon amour, donc le Saint-Esprit, le Consolateur, le Chilo, Dieu. Rends-nous amour, Seigneur, afin qu'on puisse bah, accomplir, nous aussi, la loi, en mangeant le corps et le sang de ton Fils au siècle des siècles. Amen. Parce qu'on doit rendre gloire à, à celui qui a soumis toutes choses à Dieu, donc à Christ. Seigneur, euh, nous prions pour les gens riches qui ont du mal, des difficultés à entrer dans le royaume des cieux, parce qu'ils sont attachés au matériel, à la matière. Donc celui qui s'attache à, à la matière, s'attache à la terre, à la déesse donc à la prostituée, ne fait qu'un corps avec elle. Vous devez rejeter, maman, l'argent, les richesses. A Dieu tout est possible, Seigneur notre Dieu, donc nous, nous nous remettons entre tes mains et nous prions pour tous nos frères et sœurs qui sont encore dans les ténèbres du dehors. Esclaves de l'argent, de la religion, de leur origine, de leur tradition, leur fête, leur parti politique, leur orientation sexuelle, si je puis dire, Seigneur, voilà. Comme Pierre, nous voulons dire Seigneur, nous t'avons suivi. Mais nous voulons dire... Nous nous voulons dire en plus que ce qu'a dit Pierre, nous voulons dire, Seigneur, nous t'avons suivi et, et nous et nous à tout abandonné pour toi parce que ben, il y a des choses qu'on n'a pas encore abandonnées, on n'est pas prêt. Alors prépare-nous, prépare ton église, afin qu'on reçoive avec tous ceux qui vont recevoir dans le siècle à venir la vie éternelle, mais toutes les choses pour lesquelles ils n'ont pas travaillé, une belle maison, un beau mariage, un travail. Peut-être une voiture, on ne sait pas. On ne sait pas ce que tu donneras par-dessus le marché à tous ceux qui t'ont cherché. Parce que tu donneras les choses charnelles, le monde. Tu enlèveras ceux qui ont travaillé pour les choses charnelles pour donner à ceux qui ont travaillé pour les choses spirituelles. Ceux qui auront servi Dieu dans le spirituel auront les choses du monde. Que les gens du monde devront abandonner, puisqu'ils vont dans la GN, et dans la GN, tu n'emmènes pas ta maison, tu n'emmènes rien. Donc tu vas devoir laisser toutes ces belles choses à ceux qui servent véritablement Dieu. Donc si tu ne sers pas Dieu, mon frère, ma soeur, et que tu es dans les religions. Tu vas tout perdre. Tu vas tout perdre ce que tu as. Et tout ce que tu as sera donné à ceux qui servent Dieu. Tu vas même perdre tes enfants. Et tes enfants naîtront de nouveau et seront donnés, parce que le royaume des cieux appartient aux enfants. Mais Dieu ne laissera pas des enfants orphelins. Il y a des enfants qui mourront dans la géhenne, mais d'autres qui seront épargnés et qui seront donnés à des femmes qui n'avaient pas d'enfants, qui étaient stériles, à des sœurs. Qui vont faire naître ces enfants-là et ça sera leurs enfants. Amen. Seigneur, donne-nous de boire avec toi le vin nouveau dans le royaume des cieux. Donc donne-nous de célébrer les noces de l'agneau. Amen. Femme, j'arrive. Oui, eh ben, je n'ai pas fini. Seigneur, nous prions, comme, euh, comme la muraille de Jéricho est tombée, ben que. Euh, ceux qui sont aveugles tombent parce qu'ils se, se laissent conduire par des aveugles. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc elle tombe, Babylone la Grande, puisqu'elle cache son œil, qu'elle veut ne plus voir ta lumière. Hein, la pyramide qui cache son œil, la main de Ramsa, la main des Juifs et des, des musulmans. Hein. La main du Ramsa, la main de Fatima. Elle cache son œil, la main de la pyramide. Elle veut être dans les ténèbres, elle veut ne plus regarder à la lumière de Dieu. Puisque la déesse mère fait ça, ben Seigneur qu'elle tombe babylone la grande comme les murailles de jéricho sont tombées que tous ceux seigneur euh, qui ne veulent pas euh, suivre tes écritures telles que tu les enseignes et qui entendent le sens qui se séduisent eux-mêmes tombent seigneur dans la fosse de leurs péchés puisqu'ils veulent regarder avec l'œil des ténèbres avec l'œil caché tes saintes écritures le fruit que tu as donné seigneur ils veulent faire comme ève L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, et veulent manger à la bouche du diable, <laughs> tout en prenant les fruits que tu as donnés, les saintes écritures, Seigneur notre Dieu. Seigneur, que ta volonté soit faite, rend la vue à qui tu veux rendre la vue, donne la foi à qui tu veux donner la foi, les récompenses à qui tu veux donner les récompenses, sauve qui tu veux sauver. Tu es le maître de la vie, mais la mort t'est soumise aussi puisque tu as triomphé d'elle. Le diable t'est soumis aussi puisque tu as triomphé de lui. Sois loué, béni éternel notre Dieu, merci d'avoir entendu notre prière. Nous allons écouter vite fait alors le le, le truc, parce que ben, j'ai mis beaucoup de temps à expliquer beaucoup de choses. C'est pas grave. Tout doit se faire selon la volonté de Dieu. Alors excusez-moi les amis. Euh, on va écouter Romains 13. Puis, bon, bon, je ne sais pas si on aura trop, trop le temps de prier, mais si on a le temps, on le fera. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Quand tu tues, ou tu commets l'adultère ou la pédophilie, ou même des meurtres de bêtes, hein, parce que le, le souffle de l'homme n'a rien de plus que l'animal. Et l'homme qui était supérieur à l'animal, qui était plus grand que l'animal, devait prendre soin de la bête. Mais l'homme l'a tué, l'a mis dans des laboratoires et a fait n'importe quoi avec la bête, jusqu'à même les violer. C'est terrible. L'homme est vraiment sous l'influence du diable, quoi. Il faut vraiment être possédé par l'Esprit de Dieu, le Consolateur le chilo, et se régénérer à l'image de Dieu. Mais seul Dieu peut faire ça. Hein? Amen. Donc, il euh, faut se convertir à l'évangile. Amen. Mais un cœur ne se convertit pas à l'évangile si Dieu déjà n'opère pas en lui tous les changements nécessaires. Romains 13, voilà ce que nous allons écouter. « Enseigne-nous, Rabbi éternel des armées. » Romains 13 Ah, oh, mais je suis en train d'appuyer sur le mauvais... Euh. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et des autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Stop pour... Donc là, le Seigneur, il m'a à mon esprit, s'il y a des autorités dans le monde, des juges, euh, la police, des euh, il y avait des rois, pas des présidents. Ça, c'est le diable qui a fait des présidents. Mais il y avait des rois avant, c'était les autorités et on devait être soumis aux autorités. Il y avait des rois en Israël, Salomon et David. Les plus grands devaient servir les plus petits. Donc vous comprenez pourquoi Salomon a écrit aux tribus d'Israël et pourquoi David aussi par des psaumes a écrit aux tribus d'Israël. Préfigure du Messie, roi prophète, David et Salomon. Préfigure du Messie qui envoie aussi l'évangile, son livre. Euh, aux douze nations d'Israël qu'il a choisi, donc à toute tribu, toute langue, tout peuple, dans le monde entier. Parce que, le, parce que Dieu est Dieu de tous, pas, euh, pas Dieu d'une religion et d'une seule origine. Ça, c'est du, du blabla, c'est du mensonge chez le diable. C'est la séduction du diable. Quand vous dites euh, Dieu est Dieu des chrétiens et la religion des chrétiens est la bonne, vous dites un mensonge. Parce que le pape, il a la doctrine que lui, il est il, Dieu est catholique. Pour lui, Dieu est catholique. Pour lui, il rend le vrai culte à Dieu. Puis lui, il est semblable à Dieu. Et il est l'Église. Ça qui fait le pape, ça qui dit... C'est faux. Dieu est Dieu de toutes les, les langues, de toutes les origines, de toutes... Et il prend un peuple dans tout cela. Il va chercher ce qui lui plaît dans tout cela. Et, et c'est lui qui sauve cela et cela sans le, rendront le vrai culte à Dieu et feront les choses de Dieu. Amen. Quand vous dites l'islam... Dieu est musulman, donc Dieu est musulman pour vous. Et euh, l'islam c'est la vraie religion et c'est le vrai culte à Dieu. Vous mentez. Et vous croyez que vous êtes l'Église et que vous rendez le vrai culte à Dieu. Vous êtes l'épouse de Dieu, les enfants de Dieu, le seul peuple élu. Non, c'est faux. Quand les Juifs font ça aussi, c'est pareil. C'est pareil. Les Juifs se sont enorgueillis parce qu'ils pouvaient le dire qu'ils étaient le peuple de Dieu parce qu'à la base ils sont enfants des, des Hébreux. Amen. Ils étaient le peuple de Dieu. Les païens avaient des nations païennes et il y avait les juifs, le peuple de Dieu. Mais à l'heure actuelle, les juifs ne sont plus le peuple de Dieu parce que les juifs ont péché et ils sont abominables tout autant que l'ont été les païens. <laughs> oh mais c'est pas vrai, cette mouche. Qu'est-ce qu'elle vient foutre là, là? Je vais t'attraper. Je vais te donner à mon poisson. as mourir. Pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste? à l'ordre que Dieu a établi et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne. Donc, tu commets un péché quand tu résistes aux autorités. Alors le diable, qu'est-ce qu'il s'est dit ben, Je vais me mettre dans les hommes, surtout dans ceux qui ont l'autorité. Comme ça, tout le monde devra m'obéir parce que Dieu en donne l'ordre. Le diable, il lit la Bible pour vous faire faire des choses. Mais avec les ordres que Dieu a donnés. Il est malin. Il est trop intelligent. Dieu a dit telle chose, je vais le mettre à mon profit. Et ouais. C'est pour ça qu'il y a un nouvel ordre mondial. Des autorités. Et toi, tu vas recevoir en esprit le moment où tu ne devras plus obéir au nouvel ordre mondial, aux partis politiques et tout ça. Et tu l'as déjà reçu, cet ordre. Voilà, je t'ai pété une aile. J'espère bien que je t'ai pété une aile. Je vais te mettre dans mon aquarium. Tiens, fils, Orlando !» Je l'attrapais. Elle m'énerve, elle est sous le téléphone depuis tout à l'heure. Elle va aller faire manger par mon poisson, elle m'énerve. « Va, Belzébuth, va te faire manger par Jésus-Christ le poisson. Il n'y a pas d'autre miracle qui sera donné que celui de Jonas. Va, homme irreligieux, faux prophète, va dans le ventre du poisson, va te faire manger. » Allez Donc, vous avez déjà reçu cet ordre, chers enfants de Dieu. Tout est accompli. Un chrétien est né de nouveau, les choses anciennes sont passées. Elles ont disparu de ta vie. Tu ne vas plus voter. Tu n'as plus d'origine, tu as une carte d'identité, mais juste pour remplir des documents, les documents d'un mort, tant que tu vis dans la chair, et pour pas être gêné et que l'antéchrist puisse te faire du, des problèmes. Pour pouvoir toucher ton argent, pour pouvoir avoir des soins, et, et voilà. Mais pas plus. Puis encore, les soins après Jésus est ton médecin, donc tu en auras de moins en moins. Parce que plus tu vas t'approcher de Dieu, plus Dieu va te donner tout ce que tu as besoin. Donc vous l'avez reçu, l'ordre de ne plus vous soumettre aux autorités, au nouvel ordre mondial. Si tu vas déjà plus voter, que tu n'as plus de parti politique, que tu ne regardes plus la télé, tout ça, tout ça c'est passé. C'est fini. Tu vas servir Christ et Christ seul. Amen. Alléluia. Le Machiar, le Machiar est un faux prophète qui sera un roi sur Israël, parce qu'Israël va le reconnaître comme son Messie. C'est lui qui est mangé. Jonas représente, c'est une préfigure de l'antéchrist qui est mangé par le Christ. Christ, il en fait du petit pain, tout ça. Christ est Dieu. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu. C'est Dieu qui s'est fait chair, mais c'est Dieu qui est remonté dans la gloire. Et le il va le mettre sous ses pieds. Amen. Bonne action, c'est pour une oui. mauvaise. Et les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien, mais si tu fais le mal, crains. Car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu, pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. L'ordre, vous l'avez reçu, les enfants, dit le Seigneur par deux fois. Jésus est votre tête, votre chef, votre autorité. Il a tout pouvoir, toute autorité, vous le savez. Donc tu n'as aucune excuse si tu vas servir l'ordre mondial. L le nouvel ordre mondial, c'est un nouvel ordre dans les religions, euh, la finance, la politique, la santé et tout ça. C'est pour ça qu'on entend parler de Covid-19 dans la santé, c'est pour ça que tu entends parler de pupus et sur l'argent. C'est le nouvel ordre mondial. Vous avez reçu l'évangile, vous avez des ordres bien précis pour échapper au système de la bête. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, Top. la crainte. La crainte à qui vous devez la crainte, exactement. Donc Christ, il te demande d'être soumis, soumis à ton autorité quand tu deviens un chrétien, un enfant de Dieu, peu importe ton origine ou ce que tu étais avant, les choses anciennes ont disparu. Par contre, il te demande de rendre chaque chose à chacun, d'être un homme de paix. Si tu dois de l'argent, tu dois rendre l'argent. Rends à maman ce qui est à maman, l'argent. Rends à Satan ce qui est à Satan, l'iniquité, le péché. Tu ne dois plus pécher. Rends à la poussière de la terre, à la déesse-mère ce qui est à Ashérah, ton corps charnel et ton sang. Rends, parce que tu es poussière et tu retourneras à la poussière, hein, tu dois mourir, mais rends-lui sans l'âme, parce que l'âme, elle appartient à Dieu. Non, rends ton âme à Dieu en te convertissant à l'évangile. Parce que Dieu, il sauve ton âme. Il ne sauve pas ton argent. Il ne sauve pas euh, ton corps et ton sang. Voilà. Et euh, bah, tes péchés, il n'en veut pas. Hein. Ça, il fait horreur. La crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut y encore y avoir, se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. Amen. On ne se doit rien que de s'aimer les uns les autres, et peu importe, parce que si on rétablit la chair, on est charnel. Donc, on peut plus dire, c'est un juif, c'est un chrétien, c'est un païen, c'est un musulman, c'est ci, si, c'est ça. Sinon, tu rétablis la chair. Tu dois parler comme Dieu et avoir la pensée de Dieu. C'est mon frère. Point. C'est ma sœur. C'est quelqu'un qui pêche? Ouais. Mais moi, je ne suis pas le juge de l'église. C'est Dieu qui jugera les ceux qui pêchent. Mais moi, je dois être un homme de paix et je dois aimer tout le monde. Si j'ai pas la pensée de Dieu, si je suis pas amour, j'entrerai pas en Christ. Donc on ne doit pas rétablir la chair et la chair, bah, c'est rétablir les, les religions, les organisations, les modes, les coutumes, les traditions, les fêtes, le sexe, les orientations sexuelles. C'est ça la chair. Il n'y a plus ni homme ni femme en Christ. Il n'y a plus de circoncis ni d'incirconcis. Il n'y a plus, euh, euh, il n'y a plus de Juifs ni de Grecs. C'est terminé. Tout ça, c'est aboli. Il n'y a qu'un seul père et des enfants et un père qui vient les juger tous. Donc on ne peut pas se mettre à la place de celui qui juge, à la place de Dieu. Sinon, si on se met à la place de Dieu, on se fait Dieu, ben on est antéchrist. Donc on est, on est chassé de Dieu, on est répudié. On doit aimer Dieu de tout notre cœur, notre pensée, nos forces. Il nous demande d'aimer notre prochain, d'être dans l'amour, pour être en lui, pour demeurer en lui et être sauvé. L'amour, c'est l'accomplissement de la loi. Quand j'aime mon prochain, je ne commets pas d'adultère avec sa femme. Donc je ne peux pas violer sa petite fille et être pédophile. Je ne peux pas violer son chien, son chat. Parce qu'il y a des chiens et des chats à l'heure actuelle qui rentrent à la maison, qui saignent, hein. qui ont été violés par des hommes. Il y en a qui le font. Tu cherches ton chat pendant deux trois jours, il est enfermé chez quelqu'un, il se fait violer. C'est beau, hein. C'est beau dans quel monde on en envie. Quelle horreur. Ton prochain, c'est ton père, ta mère. Mais tu dois appeler seul Dieu mon père, parce que Dieu, c'est ton père qui est dans les cieux. C'est le Père de ton âme et les choses anciennes ont disparu. Tu n'appartiens plus à tes parents, tu appartiens à Dieu et à Dieu seul. Abba, Père. Tu as fait le choix de suivre Dieu, donc tu dois sacrifier tout ce que Dieu veut que tu sacrifies. Celui qui appelle son Père, sa mère, sa fille, qui l'aime plus que moi, n'est pas digne de moi, dit le Seigneur. Vous devez vous charger de la croix et la porter jusqu'à ce que le Seigneur arrive. Amen. Donc, ton prochain, c'est ton, ton Dieu et tu dois honorer ton Père qui est dans les cieux et ta mère, la Nouvelle Jérusalem. Tu dois honorer tes frères et sœurs en Christ, donc les aimer, les aider. Partage ton pain avec celui qui a faim, bénis, ne maudis pas, pardonne. Hein. Tu dois supporter les uns, on doit supporter les uns les autres. Amen. On doit avoir la pensée de Christ. Quand on aime le prochain, on ne le vole pas parce que la terre et tout ce qu'elle renferme appartient à Dieu. Ouais, mais moi je vole, je ne tue pas, tu vois ce que je veux dire. Puis je donne aux pauvres, je partage ce que je vole. Bah bravo! Tu rends les gens coupables de, te, de ton mal de ce que tu as fait. Je prends pour Robin des bois. Jésus va t'en donner. Ce que tu voles dans la terre, dans le monde, t'as volé Dieu. Ce n'est pas un homme que tu as volé. Ce n'est pas un homme que tu as volé. Je t'assure que c'est Dieu. Honte à toi parce que tu as volé Dieu. C'est Dieu qui est le dispensateur de toutes choses sur terre. C'est pas un homme que tu as volé parce que les hommes meurent et ils n'emmènent pas avec eux leurs richesses mais les hommes les richesses des fois sont mises entre leurs mains ce que le diable leur donne aussi des fois mais les richesses que le diable donne c'est à Dieu le diable a volé a volé le, le, le foyer de Dieu sur terre à le, le Adam, le dieu de ce siècle il lui a volé ses ce, ce, affaires et Jésus-Christ a tout repris il est le nouvel adam donc il y a pas de petit péché voler c'est ça revient à Légal de tuer ou de, de déshonorer ses parents, de faire des faux témoignages. Voilà. Les faux témoignages. Il y a beaucoup de, de sœurs en Christ qui disent Si j'ai besoin d'un homme, Jésus-Christ est mon homme. Si j'ai besoin d'un père, Jésus-Christ est mon père. Si j'ai besoin. Non. Attention. Hein. Jésus, il a mis les titres. Si Jésus n'est pas ton mari, tu ne dois pas faire un faux témoignage. Jésus est mon homme. J'ai entendu plein de chrétiennes dire ça. J'avais la rage. J'avais la rage parce que c'est mon Seigneur. C'est mon mari à moi. Amen. Moi, je peux le dire. Ce n'est pas un faux témoignage, c'est vrai. Mais elles, c'est des faux témoignages dans leur bouche. Jésus, leur père. Jésus est certes l'époux de l'Église, mais il y a un mystère avec l'Église. Vous êtes les enfants de l'Église. Vous n'êtes pas l'épouse. Les noces de l'agneau, c'est le mariage du nouvel Adam et de la nouvelle Jérusalem. Amen. Vous faites partie de la nouvelle Jérusalem, mais vous êtes les amis de l'époux. Il a bien mis un autre titre amis. Donc si Jésus n'est pas ton homme, pas à dire ça c'est un faux témoignage et il y en a beaucoup beaucoup qui disent seigneur seigneur mais qui ne font pas sa volonté ils sont nus parce qu'ils pêchent ils pêchent par orgueil ah oui c'est bien de dire que jésus est ton homme parce que tu crois que tu vas être la reine du ciel et si tu savais ce que c'est être reine du ciel tu déchanterais et tu n'y songerais même pas j'étais la reine du ciel j'étais amen et je le suis encore c'est servir. C'est servir les plus petits. Ça veut dire, euh, faudra laver les pieds des apôtres. C'est servir les amis de l'époux. Donc, euh, tu es bien une... Tu vois, de dire, rien que le roi, hein, rien que le roi, comment il est Jésus, hein, lui-même a servi. Qu'est-ce que tu crois que tu vas être de plus, toi <laughs> Rien. Rien du tout. Évidemment. Tu es au service de Dieu. Et même Marie, est au service de Dieu. Tout le monde est au service de Dieu. Amen. Dieu lui-même s'est fait serviteur. Il nous a montré un modèle, un exemple. C'est ce que doit faire toute l'épouse dans toute l'église, la femme et les enfants. Tout le foyer de Dieu doit servir. On doit se servir les uns les autres et on doit servir les plus petits. Nous travaillerons et nous servirons nos enfants. C'est pas à nos enfants de travailler et de nous servir. Parce que j'ai l'impression que tout s'inverse dans notre monde là. Quand même, il y a des gens, ils veulent même plus travailler aujourd'hui, puis ils veulent avoir une retraite plus tard. Ils veulent que leurs enfants travaillent pour leur donner une retraite. J'ai l'impression que tout s'inverse. J'ai l'impression bientôt que c'est les enfants qui vont instruire les parents et tout ça. D'ailleurs, les enfants se soulèveront contre les parents parce qu'ils en ont plus de parents. Hein. Ça, c'est clair. Voilà. On est dans un monde où, où tout se perd, les amis. Mais le monde a été gagné par Christ. Il a vaincu le monde. Ne craignez pas. Amen. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Alors la nuit est avancée, c'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur. Moi il m'a dit Il m'a dit, il a, dit il y a plus d'un an Femme, c'est la nuit. Je dis comment ça, c'est la nuit? Ben, il m'a dit c'est la nuit spirituelle. Le temps du règne de l'Antéchrist sera écourté. Ça veut dire que l'antéchrist il a, il a régné en esprit et il règne dans des corps, dans la bête. Donc les gens qui, qui sortent des nations, de toute tribu, de toute langue et de tout peuple, et qui ne font pas la volonté de Dieu, c'est la bête. Ils sont attachés à l'antéchrist, et l'antéchrist vit en eux. C'est Babylone la Grande, ils sont habités par des esprits de démons. Et ils nous font la guerre. Ils nous font la guerre, c'est ce qui explique hein, qu'un coup les, les musulmans sont attaqués, un coup les chrétiens, un coup les juifs, parce que ben, l'antéchrist, de toute façon, c'est la laïcité. C'est la bête. Et puis il fera la guerre à tout, tout le croyant qui cherchera Dieu. Parce que euh, tant que vous dites je crois en Dieu, vous n'êtes pas perdu. Vous n'êtes pas perdu. Tant que vous voulez être croyant, vous n'êtes pas perdu. Et la guerre, elle est contre qui Elle est contre les croyants en général. Amen. Vous êtes certes au mauvais endroit, vous ne servez pas Dieu correctement, mais vous n'êtes pas perdu. Peu importe euh, qui vous êtes, tant que vous êtes croyant, voilà. Ceux qui sont déjà... Euh, qui sont déjà en train de glisser dans la fosse, c'est ceux qui se disent laïcs. Ils sont, dans, ils, sont en danger, ils sont en danger. Mais le Seigneur peut les arracher encore. Il peut les arracher, il peut sauver n'importe qui. Parce qu'un laïc peut devenir croyant. Mourir dans la laïcité, ah, c'est mourir et être perdu. Amen. Mourir étant croyant, ce n'est pas complètement mourir quand même. Parce que le Seigneur, il peut dans sa grande miséricorde, te ressusciter, puis te faire grâce, te dire, écoute, tu étais enfermé dans une religion, mais c'est moi Dieu, c'est moi le Christ qui est Dieu. Maintenant, tu vas devoir te baptiser, voilà, et te convertir et tout ça. On ne sait pas tous, hein. par exemple, les chefs des croyants, par exemple Mahomet, c'était un chef des croyants, d'accord Donc lui, il ne peut, peut pas être sauvé. Lui, pour lui, c'est terminé, pour lui, c'est terminé. Il est mort dans la souillure du péché. Il a sauvé personne pour un messie, pour un méchi, un silo, un silo, enfin un silo qui est plus grand que le messie soi disant, enfin c'est la même chose parce que messie et silo c'est un synonyme. Donc pour un un, un silo il a sauvé personne, il est mort dans la souillure, dans la corruption, de la mort. Normalement le messie doit sauver les gens quoi. Là il a rien fait, les gens meurent parce qu'il n'est pas le messie tout simplement. Et c'était un c'était un chef, un chef comme les pharisiens. Ils sont morts dans leur péché, parole de Jésus-Christ, parce que c'était des chefs. Ils se faisaient chefs sur le troupeau. Toi, quand tu fais partie des brebis du troupeau, que tu es égaré, Dieu peut te ramener. Dieu sauve les brebis perdues, d'ailleurs, il le dit lui-même. Amen. Donc, vous avez reçu l'ordre depuis longtemps de ne pas vous soumettre aux autorités. Hein? Les choses anciennes ont disparu. Et votre autorité, c'est le chef de l'Église, la tête. Celui qui est mort à Golgotha, le lieu dit du crâne, la tête du corps de l'Église, le Christ, le chilo, le paraclet, celui qui est semblable à Dieu, l'éternel des armées. Michael, l'archange. Lumière, marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie. La... Donc si c'est déjà la nuit, parce que je parlais de la nuit, il dit c'est la nuit, donc c'est le... C'est la, la, la guerre entre les démons et l'antéchrist. Et de toute façon, Macron, c'est un antéchrist, il a dit, nous sommes en guerre. Hein, la bête est déjà là. Oui, oui, c'est sûr. De quelle bête parle-t-il quand il dit ça Il ne parle pas de la bête qui sert. Il ne parle pas de l'antéchrist. Il parle de la bête Jésus, le lion de la tribu de Judas qui se fait lion euh, pour dévorer, le lion rugissant qui tourne autour de nous, qui cherche à nous faire pécher, donc le diable, le fils du diable, les lions saut, qui rôdent autour de nous, ce qu'il plusieurs antéchrists. Comprenez le jargon Amen, le sens caché. Oui, chérie. Oui, je vais, je vais finir. Je vais finir. Ben là, on finit d'écouter ça. Je leur explique que c'est la nuit. Et puis que tu reviens comme un voleur au milieu de la nuit. C'est important qu'ils allument leur lampe en prière. Qu'ils allent t'adorer au milieu de la nuit. À minuit. À 5 heures du matin. Avant l'arrivée du démon encore dans le monde. Voilà, tu vas écourter les temps. Donc, c'est déjà la nuit. Hein, les amis, C'est pas moi qui le dis. C'est écrit. Je vais reculer juste un tout petit peu, Seigneur, qui réécoute bien. C'est la nuit. Et que peu personne ne pourra travailler parce que bah, pour, pour la simple et bonne raison que euh, bah on est tous après dans l'église cachée on travaille tous individuellement pour chacun on pourra plus prêcher dehors parce que la bête il va dominer un coup parce que tu vas laisser le, dans l'orgueil croire qu'il a réussi le système mondial pour tout lui enlever pour avoir le plaisir aussi de tout lui enlever de qui perd de tout donc l'orgueil précède la chute euh, avant la grande guerre finale le Seigneur laisse les antéchristes triompher Crier victoire, paix et sécurité, puis finalement, boum boum, ça pète après. Oh non, j'ai tout perdu. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les, les œuvres de la lumière, les fruits du Saint-Esprit. Le jour approche, c'est le jour de l'éternel. Malheur à ceux qui attendent le jour de l'éternel les antéchristes attendent le jour de l'éternel comme nous. Dieu va se manifester au-dessus de tout homme, tout œil le verra, sur la nuée du ciel, tel un éclair qui part de l'Orient jusqu'en Occident, mais les nations, antéchrist, se lamenteront à cause de lui, la bête, il se reprend la poitrine, parce qu'ils n'ont pas cru en lui, parce que, ben, parce que le Seigneur, de toute façon, ne leur a pas permis, il, il les a rejetés. Amen. Ils ont vécu selon le monde, selon la chair, selon la, la vanité de la poussière. Amen. Donc le Seigneur les rejette. Aimer le monde, c'est aimer la mort. Les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité. Marchons comme en plein jour, marchons comme si Christ était déjà là, mais il est déjà là, puisqu'il combat dans le spirituel. Il est avec nous jusqu'à la fin du monde, c'est lui qui met la fin du monde. C'est lui qui compte les temps du règne de l'Antéchrist, donc ce sera la fin du monde. C'est au milieu de la nuit, donc euh, c'est pas dans les grandes tribulations, parce que les grandes tribulations, c'est le règne de Jésus-Christ qui a déjà commencé, au milieu. Et les grandes tribulations, c'est les récompenses de tous les, les injustes. Dieu les frappe. Ils ont aimé la chair, ils ont aimé le péché, bah eh ben, tenez, prenez-le le péché, la chair. Vous avez voulu un et eh bien allez-y. Ça c'est les grandes tribulations, et, et c'est déjà les récompenses pour les hommes impies et tout ça. Donc Jésus revient au milieu du temps de l'antéchrist, trois ans et demi, parce que le, le temps de l'antéchrist dure sept ans. Donc cette année spirituelle, c'est bien long, c'est bien long. Et des querelles et des jalousies, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Voilà. Si euh, si j'écoute parler ma chère, ma chère veut de l'alcool, elle veut du sexe avec n'importe qui. Euh, ma chère ne veut pas se soumettre au mariage parce que le, le mariage c'est un truc de Dieu. Euh, ma chère, elle se bat, elle injure, elle veut de la thune, elle veut de la mode. Euh, elle voudrait une religion et la meilleure des religions, donc elle les fait toutes à la rigueur. Voilà, ma chère, je l'ai écoutée pendant longtemps et c'est ce qu'elle a fait. Hein. Voilà. Donc, que le Seigneur nous pardonne nos péchés, nous fasse entrer dans sa lumière, dans son admirable lumière, nous, nous sauve de l'empire du péché, nous accorde une bonne nuit de repos et prenne ce live qui est fait pour sa gloire. Je vais arrêter là, les amis, parce que euh, bah, mon Seigneur, euh, euh, il m'a demandé d'arrêter là. Hein. Que la paix du Seigneur soit dans vos cœurs. Et puis, euh, bah, demain, je ferai un live demain matin, parce que je travaille de, je travaille de midi jusqu'à je sais plus quelle heure après l'après-midi. Oh, plus il fait chaud demain. Oh aïe 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 puis c'est les jours à fête que je travaille le plus. Oh Seigneur, et pendant deux jours, ça sera comme ça. Mais bon, que ta volonté soit faite. Que veux-tu Alors je ferai un live euh, sur le coup des 9h, là, dès que je me lèverai, 9h, voire 10h. Voilà, enfin, il faut que j'arrête avant midi quand même. Donc, j'essaierai de le faire à 9h quand même. Il bon, n'y a pas eu d'astro-biblique, je suis désolée, mais il faut que j'arrête là de toute façon. Gloire à toi, Seigneur Jésus, soit loué et béni. Merci vraiment pour tout ce que tu me permets de dire à nos enfants, l'Église. Amen. Mes frères et sœurs en Christ, parce que moi ben, je suis encore dans la chair pour l'instant. Voilà. Adieu. C'est Dieu qui doit nous glorifier. Amen. Alors préparez-vous. Allez, lavez-vous dans le sang de l'agneau et puis euh, priez, veillez, priez les amis. Là c'est bien, on a veillé, on a prié. Et demain matin, il faut faire pareil. À minuit aussi. À minuit, n'oubliez pas le psaume 106, prière et la Notre Père. Mais selon l'Esprit, pas selon la chair. Allez, shalom. Gros bisous à tous. Que Dieu soit avec vous. Amen.